Ah bah non. Je commence mal. Attends. Je suis en train de flipper. Je l'ai lancé deux fois? Non. Wow. Bonjour à toutes et tous. Hein. Pardon, excuse-moi, vous voyez, je suis déjà en panique. Je suis en train de bidouiller des réglages de Streamlabs, OBS, là. Et je suis en train de soupçonner d'avoir lancé par deux fois le logiciel. Non, non, non. Il y a un truc qui m'échappe. Alors j'espère que vous allez bien ce dimanche matin, déjà. Pardon, je vous accueille. je sais plus où mettre mes yeux. C'est panique, panique à bord. J'ai déclenché ce qu'on appelle le mode d'hyperformance. Donc, est-ce que ces gages de stabilité ont... Je vais essayer. Voilà, comme on est dans la phase bêta, autant appuyer sur tous les boutons pour voir si ça marche. L'idée, voilà, est un peu là. Donc, ouais, bon. Mais du coup, je suis à l'aveugle. C'est-à-dire qu'il me donne même plus les... Comment on appelle ça? Il me donne même plus les... Le retour, j'ai même plus les jauges de son machin. Alors j'ai pas touché à quoi que ce soit, mais c'est pour le principe. J'espère que certains d'entre vous vont se manifester à moi pour. J'ai même pas le son de ma propre console. Je sais pas si vous imaginez le souci d'immersion. Faudrait que j'essaye de régler ça prochainement. Quoique ça va, c'est accessoire. L'essentiel, c'est que vous ayez un truc de grande qualité. Pardon, je suis en train de digérer mon petit déj. j'ai envie de dire, j'ai un cerveau, je sais m'en servir. Non, on va dire, j'ai peut-être pas besoin de mettre une musique d'arrière-plan. Oh, bonjour, Olive qui tue. C'est extraordinaire à quel point tu arrives dès les premières minutes. T'es une matinale extraordinaire. J'espère que tu vas bien, ma chère Olive. Ravi de t'accueillir. Je suis un petit peu en mode panique, ça doit se voir un peu dans le visage et dans la voix. Parce que je bidouille en fait, hein, tu sais, la phase bêta de la chaîne. Et là, ce que j'expliquais la minute précédente, le Streamlab OBS, j'ai déclenché ce qu'on appelle le mode performance. Et en fait, il donne plus en temps réel les jauges de contrôle, le son, il n'y a plus le retour vidéo. Mais. Est-ce que c'est gage de fiabilité, de stabilité? On va essayer ça aujourd'hui. Je demande qu'à tester. Voilà. Bon, bref. On va continuer peinard pépouze mon fameux championnat de vroom-vroom, là, de rallye. Alors, je réfléchis. Ah, je prends le risque de me mettre en plein écran. Quand même. Parce que c'est confort. C'est confort. J'ai vu la notif, j'ai cliqué. Merci. Je te répondrai que c'est le réflexe qui fait plaisir. Voilà. Non, avec ça, j'espère que tu vas bien en ce dimanche matin. Moi, je te cacherai pas que j'ai une semaine de fou furieux, mais n'importe quoi. Généralement, je suis un garçon organisé, je planifie dans mon agenda les choses à faire, machin. Et là, j'ai eu que des événements perturbateurs. Il s'est rien passé de ce que j'avais programmé. Enfin, bref. Donc ça va, hein, je te rassure, mais bon. Du coup, ça m'a. Encore hier, j'étais claqué. Vendredi soir, j'étais mort. Surtout que la veille, j'avais que 4 heures de sommeil. Là, je récupère et là, je suis à peu près normal. Donc, ce dimanche-ci, c'est tout pour ma gueule, comme on dit. C'est 100% plaisir, là, faut que je récupère. Enfin, bref, pardon. Je suis pas là non plus pour vous raconter ma vie. Allez, on va faire mumuse. On va changer les idées. Tac, je prends les bons, voilà, les bons réflexes. Et j'ai la belle manette. Faut pas que je tire plus parce que le câble est tendu. Il faudra que je revoie mon installation la semaine qui arrive là. Faut que je fasse comme quelque chose de propre. Attends. Oui, non, je suis bien avec mon truc. Tiens, c'est bizarre, on dirait que je le porte pas centré, ma coiffe sanglier. Oui, c'est mieux là. Heureusement que j'ai la caméra pour voir que je mets mon truc de traviole. Ah, punaise, c'est vraiment stressant, c'est contretemps. Ouais. Bah pour te donner un exemple criant, en fait, la célèbre marque en 5 lettres avec laquelle tu es censé signer un contrat de confiance en électroménager. J'ai le week-end dernier, j'ai mon vieux lave-linge de il y a 20 ans qui a lâché, donc c'est bien au niveau, je l'aurais exploité à fond. Mais là, il a un problème d'étanchéité. Quand je lance une lessive, maintenant ça disjoncte. Donc il y a forcément un truc qui va pas, que voilà, ça finit par
L'objet est mort de sa belle mort. Pardon, excuse-moi, je réfléchis à ce que je fais dans la console. Et donc ça fait disjoncter tout le bazar. Donc coup de bol, le fameux Black Friday, là machin, bon, il y a des bonnes affaires. Et théoriquement, j'aurais trouvé un lave-linge qui me convient, qui serait soi-disant à moins 30%. Mais bref, dans les caractéristiques techniques, ça répondait vraiment bien à mon besoin. Et je planifie la livraison. Et il se passe une semaine avant que je puisse avoir une demi-journée de libre à pouvoir recevoir les intéressés, qui me prennent l'ancien et qui me livrent le nouveau, ils me l'installent. Et le matin même, voilà, ma journée démarre habituellement, petit-déj, toilette, etc. Bonjour Tunsen, j'espère que tu vas bien, merci d'avoir rejoint le canal. Et je raconte les mésaventures de mon lave-linge. Et donc pour faire court, sorti de la salle de bain, je dis tiens, je vois sur mon portable téléphone un message. On a essayé de me joindre. Je dis tiens, je connais pas le numéro. Bon, j'écoute le répondeur. Oui, bonjour monsieur le sage, c'est Darty. C'est pour vous dire, on est navré de vous annoncer que notre camion de livraison dans la région vient de tomber en rade. Vous êtes prié de nous rappeler pour convenir d'un nouveau rendez-vous. Voilà. Donc, je n'ai toujours pas le lave-linge. Heureusement que j'ai des fringues de secours et une garde-robe assez fournie. Mais bon, crotum, quoi. Faudra que je les rappelle demain pour être. Ah si, j'ai des bêtises. J'ai un retour son de mon jeu quand même. Ça va, ça me rassure. J'ai cru que c'était un bug ou un mauvais paramétrage de ma part, mais ça va. On est à la moitié de la compétition et déjà nombreux sont ceux qui sont tombés aux oubliettes. Sur ce, le WRC se rend au pays des dieux et légendes, la Grèce. La forte réputation du rallye vient de l'environnement dur et impitoyable. Les températures peuvent être aussi contraignantes qu'au Kenya et la route est jonchée de pierres capables de ruiner les chances de plus d'un pilote. C'est sur le rallye de l'Acropole que les héros d'aujourd'hui sont révélés ou oubliés. Non, petite parenthèse et puis je complète mon propos par rapport à vos remarques. Dans les petites vidéos d'introduction là des pays, c'est la deuxième intro où on voit que c'est vraiment un jeu plutôt tourné vers un public masculin, ce qui peut se comprendre. Mais tu dis qu'est-ce qu'une demoiselle, voilà. Pardon, hein, mais bon. Bon, il y avait une manière d'autre, il y avait un beau visage, je sais plus, je crois que c'est le Portugal. Et je sais plus quel pays on voyait une femme torse nu. Bon, évidemment, heureusement, on voyait juste le dos, mais bon, bref, allongée sur le sable. Mais bon. C'est dingue, toujours cette formule de lier un peu de charme au sport mécanique. Bon. Voilà. Donc, je me laisse parfois surprendre par les. Mais bon, bref, on va dire que ça fait partie de l'atmosphère. Oui, alors, oui, Twitch, Twinsen Twitch, tu dis, c'est comme vous livrez entre 8h et 19h, ouais. Alors, eux, ils te donnent ils t'envoient un SMS la veille au soir pour te dire finalement quelle plage de 2h ils ont choisi dans l'organisation de leur tournée pour te livrer. Mais, tu peux imposer ta plage horaire de 2h dans la journée pour être livré. Sauf que faut monnayer ce bonus-là, si je puis dire, ce service-là. Bon, bref. T'as eu l'idée du siècle ce matin au livre qui tue. J'ai voulu installer un jeu ainsi que la mise à jour, alors que j'ai une connexion qui rame du cul. Idée du siècle, lol. Ah oui, donc du coup, t'es coincé. Mais j'anticipe ta remarque par rapport dans le temps. Ça veut dire que du coup, ça te condamne à pas pouvoir émettre toi aujourd'hui, depuis ta propre chaîne. Ton propos m'intrigue. Ouais. C'est. Non, mais c'est Vogue la galère, Tunsen. Si tu regardais de temps en temps le canal d'Olive. C'est. Je comprends quelle rage, hein, quelle peste, mais bon, quand la technique suit pas, c'est frustrant, c'est rageant, quoi. Surtout que c'est aléatoire, en fait. C'est un peu comme la météo, sauf que t'as pas de bulletin de prédiction, quoi. C'est dur. Bon, je vais me lancer dans mon épreuve, et puis, pardon, je vous lirai avec grand plaisir à chaque ralenti après épreuve. Alors.
Et tout à l'heure, j'aurai une excellente nouvelle à vous annoncer par rapport à mes projets de la chaîne. Ouais, là, c'est... Je suis en joie, comme on dit. Papapapadapam. Tu es une scène. N'importe quoi. Ah, d'accord, oui, ça prend un peu de temps, 2, et pour une fois, t'étais 1, levé tôt, ouais, mais non, ça, vas-y. non. Ah, attends, pardon, faut que je reprenne 50, ça. 2, droite. Dans 5, gauche. Oui. Hop, que tu peux le péter. 150, 5, droite. Waouh, il faut que je me réhabitue au joystick de la manette, là. Waouh, ça fait une semaine, j'ai déjà tout oublié. Dans 2, gauche. Sur crête. J'ai plus le coup de patte déjà. Mon cerveau a déjà oublié. Faut que je réapprenne. Ah! Oh, c'est vertigineux! Non, non, je maîtrise pas bien mon véhicule. Dans 4 gauche. 50, attention! Dans 3 gauche. Sur crête. 50, 5, droite. 204, droite. Ah, il y a des moments, je veux savoir, par le contraste, j'arrive dans même plus à lire l'écran. Je me dis, mais 50, où est le décor, où est la route? Attention, dans deux gauche. Donc du coup, j'y vais pas à 50, fond et je perds 3, gauche. du temps précieux. Long, de gauche. Sur crête. Dans long, 5, droite. Dans très long, 4, gauche. Ne prends pas de raccourci. J'aime bien aussi quand ils disent ça, prend pas de raccourci. 100, 4, droite. Là. Non, 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 oh là là là. J'ai oublié à quel point j'anticipe le freinage. Oh, même l'arrivée mouvementée. Là, je suis troisième en plus, ouais. Alors que je rappelle, je joue en facile. Pas glorieux là, mais ça va revenir. Faut que je boive. Oh, là, je vais prendre de la flotte, je vais pas prendre mon café au lit. Vas-y. Non, Olive qui tue, Ivan, Twinsen, il parlait de moi en disant que tu vas être enceinte. Il parlait de moi quand je disais j'ai une très bonne surprise à vous annoncer par rapport à la chaîne. Attention, il faut savoir lire et traduire du Twinsen. Ah. Il a ses codes humoristiques. Ah. On va dire comme tout à chacun. Surprise. Là. De droite. Ah, ça fait deux jours, j'ai des soucis avec ma gorge. Alors, c'est pas. Oui, c'est du lol, Olive. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, ma gorge. Alors, pas de maladie, hein, ça va, j'ai pas la. Une toux, je sais pas quoi. Mais déjà hier soir. Pour le direct avec FunFan, moi en tant que commentateur, j'ai eu très peur une heure et demie avant la prise d'antenne, parce que j'ai eu un problème, je sais pas ce qui s'est passé, je me demande si j'ai pas un poil de nez qui est parti vers le fond au niveau de la gorge, et ça m'a chatouillé, mais ça m'a déclenché le nerf qui provoque la déglutition, qui m'a donné envie de vomir. Donc là, j'ai écrit dans la coulisse rapidement sur Discord à privé à FunFan en disant alerte, prépare ta voix de synthèse parce que je pourrais peut-être pas toujours être publié dans le direct du soir. Et finalement, c'est passé lorsque j'ai dîné, ça a dû me rincer l'œsophage. Et là encore ce matin, j'ai beau avoir pris mon petit déj, j'ai parfois comme un chat dans la gorge, un effet de glaire, pardon d'être cru, mais bon, c'est voilà. Ah, en ce moment, c'est deux jours où la voix, avec la fatigue en plus,
Je crois que vendredi soir, j'avais une Warrock, je me reconnaissais même plus. Bonjour SDR, bienvenue, bonne matinée à toi, j'espère que tu vas bien SDR. Vraiment ravi de te voir. Enfin, tu vois, je sais même plus ce que je fais. Faut que je lance l'étape suivante. Ah là 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 là. Ah, bah, faut que je retape mon nom complet alors que c'est une sauvegarde. Oh. Bon, c'est anecdotique, mais bon, je me dis, en tant qu'informaticien, ils auraient pu quand même mettre dans la sauvegarde le nom du joueur. C'est pas pour 8 octets, enfin 10 octets, je sais plus combien on avait de place là. Enfin bref, qui avec ça? Alors, continuons. Étape suivante. What? Oh, vous avez vu? Pilote Ford. On dirait presque qu'ils ont eu une interdiction de publier le vrai nom. Ou alors, il y a eu un incident d'un concurrent qui a dû se retirer pour X raison, qui n'a pas participé à l'épreuve en vrai à l'époque. Et ils ont mis un nom générique. J'avais jamais fait gaffe. Bon, bref. Oui. Le rallye de l'Acropole. Ouais, bon. Alors, il faudra que je reprenne en main la tuture. Bah oui, tu vois, là c'était ma première course de ce matin, j'ai fini troisième, donc. Oui. Mais le temps que je me réhabitue à la gâchette, en fait. Et mon cerveau a déjà tout oublié depuis la semaine dernière. Donc. Ouais, faudrait que je me fasse presque une. Je devrais scorer, comme on dit, faire de la performance. Il faudrait impérativement que je m'inflige un pays complet, là, les 6 étapes, 5 étapes, pardon, d'un rallye de pays hors championnat avant pour me remettre dans le bain, en fait. 3, 2, alors, pardon, 1, je me concentre. Vas-y, long, 4, 3, oui, troisième, bah, c'est le podium symboliquement, mais comme je suis en facile. Une fois que je suis bien dans le jeu, généralement, je me promène. Je peux enchaîner les premières places. Sur crête. 50, 4, droite. Dans 3 à gauche. 50, 3 droite, sur crête. Oui, je vais aller me faire cuire un œuf. Long, 4 gauche, serré. Dans 5 gauche, sur crête. Dans épingle droite. Attention, tour devant. 100, 4 droite. Dans 4 gauche, ne prends pas de raccourci. 50, 2 droite. Oh, bonjour Ménil Machadit. J'espère que tu vas bien ce dimanche matin. 50, épingle gauche. Oula, j'ai l'impression de faire du bobsleigh là. 50, 5, droite. Sur crête. Non! Ouah, je me suis planté dans l'arbre. N'importe quoi. 50, 3 à gauche. Attention, tour devant. 100, 5, gauche. Dans 5, oh, 3, là, oh, là, oh, là, oh, là, épingle oh, là. Gauche. 50, très long, 4, droite. Ah oui, j'ai même pas fait gaffe à l'indicateur en bas en rouge. J'ai bien bousillé le châssis de la Mzara. Bien fait pour ma conche. Sur crête. Dans épingle droite. Oh, ouais, la route au loin. Oh, j'adore. Ces effets de profondeur, j'adore. Oh là, reprise est pas bonne. J'ai un problème de motricité là. Droite et 3 à gauche.
C'est sûrement dû à mon endommagement. 50, 4, droite, sur crête. Arrivé. Bon, je suis pas premier, je crois pas. Deuxième, bon, je m'améliore. Troisième, deuxième, la prochaine, c'est la bonne. Adieu. Ah là 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 là. 3, 2, 1, vas-y. Ouais, fontage, oui, la fonction abattage d'armes, ouais. Non, là, j'ai fait une sortie, wouh. C'est pas dégueu pour de la PS2. Oui, merci, d'autant plus que c'est le premier opus. Et j'ai la chance d'avoir la trilogie sur PS2, donc je vous ferai le deuxième et le troisième de l'RC. Ça, ça va être cool. Bon, la PS2, j'essaie de vous faire le meilleur réglage possible, hein, aux petits oignons. Honnêtement, je pense pas que je puisse faire mieux. De toute façon, elle a pas 50 réglages. Dans la en gros, c'est PAL, NTSC, lissage des textures. Puis je sais plus, une option dans son BIOS, je sais plus laquelle. Alors que sa grande sœur, la PS3, 50, là il y a un menu d'options de fou. C'est bien, hein, je m'en plains pas. Mais il faut prendre le temps de trouver la combinaison la plus gagnante, on va dire. Non, 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 c'est pas une émulation. C'est la vraie, c'est la vraie. Je fais de la captation. D'ailleurs, tu me fais penser, Ménil. Je me permets de prendre le nom utile de ton pseudo, Ménil. Ménil Much Addict. on m'a déjà demandé, il va falloir que je le fasse. C'est-à-dire que je mette à disposition de ceux qui s'intéressent les photos du matériel que j'ai acquis pour pouvoir faire de la captation en question. Si certains d'entre vous ont envie d'ouvrir leur chaîne ou qui ont déjà leur chaîne, s'ils veulent avoir la possibilité de capter ne serait-ce que la PS2, je vous ferai les photos, je vous expliquerai comment j'ai fait dans les réglages, tac tac tac. Et puis soit je vous ferai un PDF que je vous envoie en lien privé en téléchargement, ou je mettrai un truc sur mon Discord que vous puissiez consulter à foison. Vous faites baba cool. Bah, montrer avec la cam, tu sais, tu une scène. Je sais même pas si vous... Il faudrait que j'éclaire à mort le... Au niveau de câblage, des broches. Parce qu'il y a des subtilités, en fait, dont il faudra que je mette vraiment en lumière pour pas que vous vous plantez. Par exemple, si, entre guillemets, un objet, un adaptateur, il y a une version A et B, vous voyez bien quand vous achetez, pour vous, vous prenez la B et pas la A. Et parfois, ça joue un interrupteur à la con qui fait toute la différence, en fait. Allons, épingle gauche. Oui, SDR, ouais, tu serais plutôt apte au... Enfin, client pour le PDF, ouais, ouais. Mais il faut que je fasse ça prochainement. Je m'impose pas de date, mais j'ai eu plusieurs demandes. On échange évidemment entre diffuseurs et tout. Et je me dis, il faudrait que je donne la. Oui, bah oui, c'est toujours une question de temps. Mais j'ai vraiment la volonté de le faire, quoi. Si je peux déjà, simplifier la vie de pas mal de diffuseurs, j'en serais ravi qu'ils se prennent pas la tête avec la technique. Je comprends parfaitement que ça. Se prendre le chou à ça, ça peut refroidir plus d'une ambition. Et puis surtout niveau financier, ne pas se faire couillonner en achetant le mauvais truc. Et puis voilà quoi, c'est être certain que bah je me permettrais de pas y répondre si je la trouve trop indiscrète, mon cher Ménil, mais tu peux toujours la poser. alors attends, je vais sauvegarder la partie. Ah oui, côté financier, ouais, bon. Ça se néglige pas, quoi. Oui, non, championnat 1. J'ai cliqué à comme un fou furieux, c'est le truc à pas faire. J'ai eu un doute à me dire, est-ce que j'ai pas fait une bêtise. Ah. Oui, ça va, c'est pas question indiscrète. Alors ça, c'est ma coiffe sanglier. Et en fait, ça a été acheté au parc franco-allemand. Enfin bref, européen. Europa Park, près de la frontière franco-allemande, là, le long du Rhin.
quand je l'ai vu en magasin dans la boutique, j'ai eu un coup de foudre. J'ai dit, mais c'est génial ce truc, c'est stylé, c'est marrant. Et puis je lui ai dit, ça doit tenir vachement bien chaud, hein, tu peux le constater. J'ai une piste d'atterrissage pour mouches, comme on dit. Et c'est génial, franchement, c'est génial. Tu veux faire des économies de chauffage chez toi, au lieu de foutre le thermostat à fond pour pas te les peler, tu mets un peu plus frais, donc bah voilà, tu préserves un peu tes sous quand même, et puis ça tient chaud, hein. Voilà. C'est marrant, j'aime bien. Voilà. Oui, la fameuse coiffe. Oui, je vois qu'elle est très appréciée. Ah là là là. Oui, ou pour sortir chercher le pain. Ouais. Oui, tu as retenu l'anecdote de sur ma ville, l'individu que j'avais vu avec l'arc cerceau, oreille de chat en pleine rue. Mais ouais, c'est sympa. Voilà. Allez, Zou, épreuve suivante. Alors, c'est vrai qu'elle est un peu lourde, hein, mais bon, elle fait son poids. Je pourrais pas dire en grammes, mais. Elle ferait peut-être 200 grammes, peut-être ma coiffe, je pense. Parce qu'elle est bien embourrée, hein, elle est. Ouais, c'est du dur, hein. Le museau, c'est du bien dur. Au niveau du coton qu'il y a dedans. Ouais, c'est sûr, Bénil, oui, j'ai pas intérêt. Surtout que j'adore les promenades en forêt. Ce serait mortel, c'est le cas de le dire. Ouais, bien vu. 3, 2, 1, vas-y! 50, de gauche, sur crête. Dans long, 4 gauche. 50, sur crête. Du coup, tu m'as donné Dans envie de 4 faire une droite. promenade en forêt. C'est pas le moment, hein, c'est la mauvaise saison. Encore que. Dans 4 gauche. Dans 3 gauche. 50, de gauche. 50, sur crête. Dans long, 4 gauche. 50, sur crête. Dans long, 4 gauche. 50, attention, saut devant. Dans 2 gauche. Dans long, 5, droite. Cinquante, quatre, droite, sur crête. Dans deux gauche, dans long, quatre, droite. 50, cinq, droite. 50, sur crête. 100, quatre gauche. 50, deux droite. Et 3 à gauche, 50, long, 4, droite, sur crête. 50, 3 à gauche. 100, long, 4, gauche. Dans 4, droite. 50, 4, Ouais, droite. je dis plus rien, on voit que je suis concentré. 50, 4 gauche, sur crête. 100, long, 4, droite. 50, sur crête. Hop, 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 mais non. Nul. Arrivé! Oh non, mais c'est nul ce que je viens de faire. Alors, c'est tellement sensible à la gâchette que là, du coup, j'ai cru que j'avais impulsé le. Enfin, j'avais donné la bonne impulsion pour que ça tourne un peu. Et voilà, il s'est rien passé, nul quoi. J'ai mal dosé. J'étais trop timoré. 3, Alors, 2, oui, j'ai vu 1, un énorme pavé. Enfin, un vas-y! énorme. Un olive qui a pris le temps de me 50, de décrire. gauche, Ah, c'est sûr, sur peut-être crête. que vous envoyez plus le gars. Bon, je vais faire les stiers, qui personne, je sais pas. Dans long, 4 gauche. Ok, pas faire comme les ouvriers bulgares dont tu nettoies les vestiaires qui foutent le système de chauffage à 100 et que ça fait sauter les ponts en permanence sur un chantier de panneaux photovoltaïques en plus. Oui, effectivement.
Dans 3 à gauche. 50. Et puis, gauche, c'est le genre de 50. Truc. Enfin, bref, je me dis, ils doivent aisément tomber malades. Est-ce qu'ils se provoquent un choc technique ou le local chauffe mal? Enfin, je. Bref. C'est. Bon. Bref. Ça me dépasse. Voilà. Ah, bon dimanche, Minil. Merci d'être passé. À bientôt, à bientôt. Tac, tac, tac. Ouais, non, fou le truc. Ah ouais, dans les sanitaires en plus. Ok. Waouh. Parce qu'au début, t'as du vestiaire, donc je voyais assez large. Mais du coup, carrément restreindre au trône. Bon, bref. Ok. Voilà. Ouais. J'ai juste une pensée. Alors, je vais choisir mes mots parce que vous êtes peut-être en train de savourer votre petit déjeuner. Mais en parlant des trônes en question, ceux qui sont publics. Dans 4, 3, 50. J'ai beaucoup d'admiration, de respect aux personnes qui sont en charge de l'entretien de ces trônes publics. Et, parce qu'il y en a qui sont. Je soupçonne certains de faire exprès de faire des choses abjectes et de considérer les autres comme des esclaves, quoi, ou des. Enfin, des. Enfin, c'est. Voilà. Je pense que vous m'aurez compris, mais. Un souvenir de vécu sur une aire d'autoroute en partant en vacances il y a un été, il y a quelques années. Bref. Encore quand on est malade d'un point de vue gastrique, ça arrive évidemment, mais soi-même on fait un minimum pour pas laisser de. Hein, bon. De marque, on va dire. Bonjour Pierre Toutman, j'espère que tu vas bien. Oh là là, je suis ravi de te voir. Oui, alors attends, je vais te lire SDR avant de reprendre ma course suivante. Ouais, oui, SDR, c'est bon, bref, on va pas philosopher, on n'est pas là pour ça. Bref, ça tombait pile la journée où il faisait moins 5 le matin et que les canalisations de flotte avaient gelé. On s'est éclaté avec un ouvrier pour me trouver une arrivée d'eau pas gelée pour nettoyer par terre. Ouais, dur. Ouais, bah t'as bien du courage, ma chère Olive. Dur. Ah, ça. Attends, je vais essayer de faire ma course et je vais vous parler d'un truc qui est là, moins cracra, hein. Mais, 6 km. Quand j'étais en BTS, dans ma formation de technicien informatique, il y a un truc qui m'avait marqué. Alors, je suis un matinal, hein, comme je le répète souvent. Je suis généralement arrivé premier, enfin dans les premiers le matin dans l'établissement scolaire. Et je sympathisais beaucoup avec le personnel d'entretien ou le personnel technique, hein, les entre guillemets les non-profs, les non-surveillants dans l'établissement. J'avais sympathisé une année avec une charmante dame qui était donc technicienne d'entretien d'hygiène des locaux. Et elle m'avait fait mal aux tripes comme elle m'avait expliqué que dans ses outils de travail, on lui imposait en fait un nettoyant qui était une substance qui était clairement identifiée comme étant cancérigène. Et je dis, mais vous pouvez pas avoir un syndicat, vous monter en collectif pour pester en disant, mais trouvez un équivalent de cancérigène, quoi. Parce que je connais pas les techniques propres à l'hygiène et au nettoyage, mais je sais qu'il y a des protocoles vachement aboutis, surtout aujourd'hui avec l'Europe, etc. Mais les normes de sécurité, heureusement. Mais. 3 à gauche. Dans 4, 3, 5. Voilà quoi. Là aussi, vous aurez pu prendre une photo. 100, 4, 3. Attention, tour devant. Ironiquement, je pense à la célèbre chanson, enfin du moins le couplet, le travail c'est la santé. Si c'est pour se la bousiller. Dans 4 gauche. 50, long, 5, droite. 150, 2 droite.
150, casse gauche, sur crête. De gauche. Dans 4, droite. Et 4, gauche. 50, attention, tour devant. Dans 2, gauche. Et 3, droite. J'ai appréhendé la bosse. Comment ça, 4 50, gauche. 4, droite. 4, gauche, t'as intérêt à avoir la bonne trajectoire. Gauche, sur crête. Dans 5, droite. D'abagager le truc à pas faire. Dans 3 à gauche. Et 5 gauche. 50. Attention, tour devant. Dans long, 4 gauche. Le 5 gauche, bon, la 5ème vitesse, c'est en sortie de virage. Hein. 50. Sur crête. 50. 3 droite. J'aime bien le paysage 50, de cette étape. 50, attention, hop, tour devant. Hop, 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 hop. La luminosité, bonjour. 50, attention, tour devant. J'arrive même plus à voir où je vais aller. 50, long, 3 à gauche. Vache. C'est vachement qu'il a bossé comme étape. Combien de fois je perds le contrôle, là? Dans 2, droite. Dans long, 3 à gauche. Plein de petits sauts et j'ai plus d'adhérence. 100, 4, droite. 100, 5, gauche. 50, très long, 4, droite. 50, 3, gauche, sur crête. 100, 3, gauche. 'Arrivée. Ouh, j'ai failli louper l'arrivée et finir dans le public, moi. Alors, tac, tac, tac. Alors que je vais lancer le ralenti pendant que je vais vous lire. Voilà. Oula, oula, vous avez beaucoup écrit, faut que je remonte. Tac, tac, tac. Comme disait le chef d'équipe, il y a jackpot. Ouais. J'essaie d'imaginer votre tête et toi et ton chef. J'ai pas de formation pour l'hygiène et l'entretien des locaux, mais je sais que mon employeuse utilise des produits les moins nocifs possibles. Ça, c'est bien. Ah, franchement, là, je lui tire. Ce qu'elle veut dire, je lui tire mon chapeau, hein, à madame. C'est bien ça. De considérer ça, parce que. Ça me rappelle même moi quand attention, je me mets. Une fois, je racontais l'anecdote à mon médecin traitant qui m'a rouspété. Je lui disais, mais vous avez pas idée comme par moment j'ai des vertiges quand je décape à base de javel. Et voilà, elle me respecte en me disant, mais c'est toxique, il faut bien aérer à ce moment-là, reste pas dans une pièce fermée, tu te fais pas du bien quoi. Voilà, comme quoi faut rien négliger. Alors, Pierre Krutman. Quand j'étais plus jeune, j'avais bossé chez l'un des plus gros disquaires de Paris. Tout le monde avait la clope au bec du matin jusqu'au soir. Oh. Alors, feu mon papa, lui, il fumait comme un sapeur. Hein, donc j'ai subi le tabagisme passif. Et du matin au soir que tout le monde y aille à enfumer les locaux. Ah, moi, ça me tuerait, moi. Ça m'userait. Oh, dur. Alors, Olive qui dit « J'ai du bol d'avoir une employeuse assez compréhensive, mais j'ai vu de ces trucs. » Et encore, dans mon cas, c'était léger, ouais. Ah bah oui, puis la cigarette, je pense bien. Puis ça imprègne les vêtements, Pierre. Maintenant, tu dois bien savoir. T'es déchaîné, tu une chaîne ce matin. Bonjour Zex de Citron. Oh là là, ravi de t'accueillir ce dimanche matin. J'espère que tu vas bien. Alors du coup, il m'avait mis dans le stock au sous-sol.
Bah, honnêtement, j'aurais demandé à moi aussi à être isolé, quoi. Au mieux avec une fenêtre sur l'extérieur, mais parce que j'aurais certainement pas demandé de clim. La clim me rend toujours malade, moi. Et puis pas qu'un peu. Je supporte pas les clims. Mais oui, ouais. Ouais, c'est. Bref. Voilà. Du coup, non, oui, je vois le chrono de l'épreuve. Oui, c'est. Vous n'êtes pas la deuxième rediffusion du ralenti. Là 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 là. 50, croix à gauche, sur crête. Dans Ah. croix à gauche. Ouais, on voit, là, on voit avec la vue intérieure à quel point l'épreuve elle est bosselée. Quasiment par intermittence, à Arrivé! toutes les 10 secondes, je perds l'adhérence du véhicule. Alors évidemment, plus de direction, plus de freinage. Il faut vraiment anticiper les bonnes trajectoires et les bonnes vitesses, sans quoi je bam, quoi. Elle est vraiment piégeuse cette étape-là. Là 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 là. Oui, non, je continue. Résultat, épreuve 4. Ah, ça va être la dernière épreuve de la Grèce. Oh la vache. Oh là là, ouais. Ça a l'air. Oh, là aussi, ça a l'air d'être technique comme épreuve. Oui, conditions de travail. Ouais. On parlait de la toxicité des produits enfin, ménagers, des produits d'entretien et d'hygiène. Ouais. Ah là 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 là. De l'importance d'avoir des supérieurs et patrons, on va dire, ouverts au dialogue et pas tête de mule. Ouais, il peut y avoir des conséquences et effets papillons, là. Bon, allez, concentration pour la dernière. 3, Concours de 2, l'Acropole. 1, vas-y! 3 à gauche. Ah, et puis après, je vous annonce la belle grande nouvelle. Temps de gauche. Oserais-je dire Temps l'excellente 4, nouvelle? droite. Allez, je me Temps concentre, 3 à appuyez. gauche. Aïe, aïe, ouh, j'ai mal au cou. 50, 4, droite. Temps 4, gauche. Et 4, droite, sur crête. Temps de gauche. Et 5, 3, Je vais changer de coiffe. 50, long, 4, gauche, serré. Non, non, vraiment. Croyez-moi que Dans ça me 5, met en gauche. joie. Dans 5, Et droite. je vous répondrai que ça va être vous, les grands bénéficiaires de cette Dans bonne long, 4, gauche. nouvelle. Serré. 50, long, 3 droite, serré. Non, j'ai pas frappé comme un bois, percuté joyeusement le Dans filet de long, sécurité 4, sur le bord de la droite. route. Non. 50, long, 4 gauche, sur crête. J'ai l'impression que vous faites 50, épingle gauche, des sur crête. Ne suppositions. prends pas de raccourci. Je vois un point Dans d'interrogation épingle là droite, furtivement dans le chat. attention. Dans 5, gauche. Et 4, droite. Dans 2, gauche. 50, 4, droite. Attention, tour devant. Arrivé! Oui, c'est fini. Merde, j'ai bloqué ma. J'étais bloqué en première. Alors attendez que je vous lise du coup. Oui, alors je balance le ralenti quand même. Voilà. 3, 2, vas-y! Pierre Troutman, oui, j'étais content, je cassais les disques, c'était en 92 pendant mes vacances scolaires. Non, je vais pas changer de coiffe. Tu vas avoir un slip sanglier. Ça, ce serait marrant. Et ce serait marrant, mais ça devrait. Oh, ça pourrait tenir vachement chaud. Bon. L'idée que ce soit le même embouage, tu sais, en coton. La coiffe des grandes annonces. Oui, on peut le voir comme ça. Fun Fan va venir vivre chez toi. Oh, tu es une scène. Et qu'il est bête. Et qu'il est bête.
STR, sympa, dis donc, tu m'étonnes que tu étais content. Oui, là, non, oh Pierre, non, c'est passé, c'est une époque Non. déjà ancienne, mon cher Pierre. Non, non, la bonne nouvelle en fait, c'est que j'ai trouvé cette semaine en magasin le matériel et la combinaison gagnante pour vous diffuser la PS3. Ça y est, j'étais coincé. J'ai fait un petit test ces dernières heures au niveau de ma PS3 et je la capte enfin. Oui, je sais bien que tu rigoles, Pierre, bien sûr. Je capte enfin la PS3, ce qui fait que ça ouvre un champ, mais de fou furieux au niveau des jeux. Parce que j'ai aussi la chance d'avoir une belle collection de jeux que j'ai achetés d'occasion. Donc, ça ouvre la voie à quoi? Ça ouvre. Alors, il me reste à faire en fait les réglages optimum. Hein. Là, j'ai fait la base, la résolution pourrie, le truc, histoire de pas trop forcer le matériel dès le début. Et je vais voir jusqu'où je peux régler pour avoir un paramétrage correct. Et 4, Mais vous le 3, verrez cet après-midi en fait. Parce que cet après-midi, je vais également diffuser. Alors, là où ce matin, jusqu'à 13h comme d'hab. Je me vois déjeuner peinard dans mon coin de 13 à 14 heures, donc je n'émettrai pas, hein, j'aurais coupé le signal, j'aurais sûrement fait le relais à quelqu'un. Et à partir de 14 heures, entre 14 heures et 15 heures, je reprendrai 3, l'antenne 2, jusqu'à 1, 17 heures. vas-y. Et d'ailleurs après je ferai un raid chez Bambastos, l'ami Trois à Bambastos qui gauche. fait de l'horreur, qui fait du visage. Je sais que vous êtes plusieurs dans le chat à aimer l'horreur. Ça vaut le coup Attends, là. de gauche. Et bref, tout ça pour dire que cet après-midi, je vous diffuse les premières images de ma PS3. On va. Non, je vais pas bidouiller en direct avec vous. Je vais pas vous enquiquiner avec ça. Mais on fera un jeu de la PS3, quoi. Pour voir le rendu. Dans quatre Ce qui gauche. m'intéresse beaucoup, c'est d'avoir Et le quatre paramétrage droite. du son. Vous me direz, pareil, le fait de calibrer par rapport à ma voix. Voilà, je vais prendre mes repères. Alors la PS3, ça ouvre la voie à toute la saga Resident Evil Biohazard. Je vais pouvoir vous faire du Far Cry. Quand que je m'avance, je vais faire Far Cry. Parce que le 3, je l'ai fumé à 100%, donc j'y rejouerai pas. Et le 4 sur la PS3, il est bridé en fait. Vaut mieux le faire sur la PS4. J'aurais pas dû vous dire Far Cry 3, pardon. Enfin, plein de petits jeux, on verra. Même de tête, je sais même plus. J'ai du Watch Dog. Il paraît que ce jeu est vachement bien, Watch Dog. Je ne connais pas du tout. J'ai vu que de réputation, c'est énorme. Oui, t'as vu Olive, ouais, avec Bambastos. C'est extra. Et en plus, il est très expressif. Enfin, j'aime beaucoup sa manière de jouer, en plus. Ah! Alors, je suis pas Repasse à côté. spécialement comment dire, Dans un épingle droite. adepte du genre, Attention. mais la saga Final Fantasy, il y en a un que j'ai accroché, qui est le 12 ou le 13 d'ici. Enfin, je vois un peu la tranche de la jaquette. J'aurais même plus à lire les chiffres romains de loin. Non, je crois que c'est le 13. Enfin, bref. Celui-là, exceptionnellement, je vous le ferai parce que j'ai aimé l'histoire. Enfin, je vous expliquerai. J'en ai fait qu'une partie, mais là j'ai acheté l'arc entier et je me ferai une joie de vous diffuser ça. Alors, continue le championnat. Oui, voilà. Je sais même plus ce que j'ai sur la PS3. Enfin, bref, ça va être cool. Pop, 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 pop. Sauvegarder la partie, oui. Comme là, j'ai fini un pays. Alors, je vais profiter de l'introduction, présentation du pays suivant pour boire un coup et me rafraîchir la gorge avant de me lancer dans l'étape suivante. Voilà. Ça fait plaisir. Allez, go. Comme si l'asphalte, la neige et le gravier n'étaient pas suffisants, maintenant c'est à la chaleur écrasante du Kenya que les pilotes vont avoir affaire. Pour beaucoup, cette compétition vieille de 50 ans représente le rallye dans sa forme la plus pure. Les voitures couvrent de vastes distances au travers d'un terrain dur et dégagé. C'est un défi physique inouï. Les obstacles à franchir varient des inondations soudaines aux animaux sauvages errants. On l'appelle le rallye safari, mais qui sait si les pilotes sont les chasseurs ou les proies?
Oh! La vache a percuté un animal là, non? Ah, l'Afrique. Attends. Ah, je me redresse un peu parce que je suis en train de me tasser dans mon siège. Bienvenue sur Ah oui, National Geographic. Oui, il y a un peu de ça. Oh, tu me fais penser aux ex de citron. J'ai vu le début d'un documentaire hier après-midi sur Arte et j'ai eu le bonheur de le voir sur un écran 4K. L'expérience est intéressante et ça c'est ce que j'appelle moi de la vraie 3, télé-réalité en 2, fait. Ils se sont lancés dans 1, une série vachement cool. Survivre comme du temps de nos ancêtres, hommes des cavernes. Et en fait, c'est un groupe constitué de 8 experts mondiaux sur la survie, 50, long, 3 droite, l'histoire primitive serré. de l'être humain. Et ils doivent tenir au moins un mois en milieu hostile en fait. Dans 3 Ils démarrent gauche, juste sur avec rectes. du matériel de 150, base, 5 comme droite. un drap en peau de bête, vraiment des produits paraffinés, quoi, comme à l'époque. Quelques vivres naturels, un peu de poissons et de fruits et légumes 50, pour les 3 4 premiers gauche. jours, et après ils doivent se démerder, ils sont livrés à Dans eux-mêmes. 4 droite. C'est vachement bien filmé, et Dans j'ai dû 3 voir peut-être la droite. première Sur demi-heure crête. du premier numéro. Franchement, Dans si le 1 concept gauche intéresse certains et d'entre vous, 2 droite. allez fouiner sur le site Attention, d'arte.tv. sur crête. Dans 4 gauche. Les images en plus en 4K étaient magnifiques. Parce que je suis pas propriétaire d'un écran 4K, Dans 3 droite. mais Direct. ça vaut le coup, c'est 50, waouh, c'était 1 ultra droite. immersif, j'avais Dans l'impression 1 d'y être. gauche. Attention, sur crête. J'ai adoré Sur l'expérience. coupe. Dans 3 gauche. 50, long, 2 droite. Moi qui regarde quasiment plus du tout la télé 150, depuis des 3 mois, pour pas gauche, dire des années. court. Là, je reconnais que ça a été une bonne surprise. Sur coupe, 100, attention, saut. 100, de gauche. Dans 5, droite. Dans 4, gauche, serré. Dans 3, droite. 50, sur crête, dans 1 gauche, dans long, 2 droite. 150, sur crête. Oh, c'est beau. 150, attention, saut. Ouais, 100, 4 gauche, dans je me 3 méfie de la gauche. bosse. 50, 4 droite. 100, 1 droite et 1 gauche et 1 droite. Voilà. Je me suis planté. Fallait au moins que je fasse une fois de louper l'arrivée. Au moins une fois. Bon, apparemment, ça m'a pas trop coûté, porté 3, préjudice, comme on dit. 2, 1, vas-y! Intéressant, j'aime ce genre de programme. Chacun, qu'est-ce que vous avez regardé de cool cette semaine? Bah, si tu parles de la télé, moi j'ai voilà, c'est le seul moment où j'ai vu la télé de la 50, semaine, quoi. long. Habituellement, je la regarde pas, donc j'ai profité de l'occasion d'un déjeuner en famille pour sortie de table, voir un petit peu de téloche. Oui, bah, je répondrai comme Olive, hein. Moi, c'est le même bilan. Et encore, qu'est-ce que j'ai pu voir en assuré cette semaine? Avec la semaine folle que j'ai eue. Mais bon, ça fait toujours bien plaisir. Ah, j'aime. Ah, la profondeur est belle. J'aime bien le paysage, là, qui va au loin. En 4 gauche. Ça fait safari, là, c'est cool. Ah oui, faute. Dans 1 gauche, attention, sur crête, sur
vous dans... En long, deux, oui. Droite. YouTube et Twitch font partie du jeu. Non, bah, ce que j'aime beaucoup, mon grand plaisir de cette semaine, c'est l'ami Bombastos qui s'est lancé dans le jeu d'horreur Visage. Et justement, je ferai un relais de chaîne ce soir, enfin cet après-midi à 17h, c'est le moment où il va prendre son antenne, pour continuer son expérience sur Visage. Et ça va être le troisième épisode qu'il va faire de 3h. Et là, je crois qu'il en est à peine entre un quart et un tiers de progression dans le jeu. Il est dans l'épisode de la demoiselle. Pour ceux qui... La petite Lucie, là. Pour ceux qui connaissent l'œuvre. C'est la troisième fois que je revois Visage, le jeu Visage. Donc, c'est le troisième joueur que j'observe. Et j'ai toujours autant de plaisir à avoir le jeu que je considère comme un pur chef-d'œuvre horrifique. Et Bombastos, j'aime bien. Il est d'un naturel, expressif. Je rigole beaucoup. C'est très agréable. C'est ma bonne découverte de la semaine. Sinon, sérieusement, j'ai quasiment rien regardé. J'ai pas eu le temps d'être devant mon écran de la semaine. Enfin, pour le loisir, je parle. Voilà. À droite. Arrivé. Ah là 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 là. Oui, ça y est, il y a eu le passage de là. Aïe 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 aïe. Ah ouais, le visage, il est extra. C'est vraiment une œuvre. Alors, voilà, j'y connais pas rien, mais je connais très peu les jeux d'horreur. C'est pas dans mon habitude d'y jouer. Mais celui-là, je reste intimement persuadé qu'il va rester une référence intemporelle. Il est arrangé dans l'anthologie des jeux de frousse, horreur, angoisse. Il est extra. Franchement, remarquable. Oui, d'ailleurs, en parlant de jeux d'horreur, vous êtes deux dans le chat, sans vous citer, et encore peut-être plus, sans que je le sache d'ailleurs, à apprécier les jeux d'horreur et le fait que moi j'en fasse un. Il faudrait que j'essaie, que je vous propose une date, un créneau horaire dans le calendrier à faire. J'aimerais bien me lancer dans The Slender 2, l'homme coton-tige là, avec son costard cravate et son visage enrubanné comme une momie. Il faudrait que j'essaie de poser ça dans le calendrier, voir si vous pensez être dispo à ce moment là voilà, que vous puissiez avoir le plaisir de me voir en direct sur un jeu d'horreur et puis qu'on s'éclate tous ensemble. Vas-y. Si je m'étais engagé auprès de SDR de faire au moins un jeu d'horreur avant les fêtes, avant Noël, on va dire. Oui, concernant nous-mêmes. 50, un droite, dans un gauche. Est-ce que vous préférez déjà tout bêtement? Est-ce que vous préféreriez que ce soit un samedi après-midi ou samedi matin éventuellement? Ou dimanche matin, dimanche après-midi, en fonction de vos disponibilités habituelles, quoi. Que vous ayez une grande probabilité d'être présent et pouvoir savourer l'expérience en direct. 50, 3 à gauche, ouvre. 100, 5, droite, ne prends pas de raccourci. 100, 3 à gauche. Je ne prends pas de raccourci. 50, long, c'est pas comme s'il y avait un fossé à côté. 50, 2 droite, sur crête. 150, 2 droite, dans 1 gauche, sur crête. 50, long, de gauche. Dans 4, droite, sur crête. 50, 1 droite. 50, long, 4 gauche. 50, 1 droite. Ouais, 50, le saut. Je l'ai pas vu venir celui-là. Dans 1 droite et 1 gauche. 50, 4 gauche. Sur crête. 100, très long, 4 droite. Très long. 50, 2 gauche.
Attention, saut. Cinquante, sur crête. Cinquante, de gauche. Attention, saut. Afrique, belle Afrique. 50, de droite, sur crête. Où sont tes yeux bleus du corps africain? 50, un gauche, sur crête. Arrivé. Cool. Oh, l'état de la voiture. On voit même plus les pubs des calcomanies. Ah, du coup. Alors, plaisir de vous lire. Tac. Je n'ai pas d'emploi du temps spécifique pour ma part. Tu peux faire à ton aise. Du Feld Up, c'est une autre histoire. La bande originale d'Arc Fatalis. Arc Fatalis, que j'avais commencé il y a des années, peut-être au moment de sa sortie, et que j'avais pas fini. Et j'en avais déjà parlé sur mon antenne, je crois. Avec je sais plus qui, ou sur l'antenne de quelqu'un d'autre, j'étais coincé moi sur l'énigme des femmes serpents. Et on m'avait dit que c'était tout con en fait. L'énigme, telle qu'elle est posée, ça a l'air vachement balèze. Et c'est un truc vraiment bidon. Il y a déjà un interrupteur activé derrière une statue ou je sais pas quoi. Et peut-être que je le referai, Arc Fatalis. Non, le petit dérapage d'arrivée était un accident, mon cher Zexo Citron. Généralement, t'es censé arriver proprement. Mais là, j'avais une trajectoire complètement folle à ce moment-là que... De gauche. Ah là là là. Dans 4, droite, sur crête. Ah, putain, je prends moi un coup. 50, 1, droite. 50, long, 4, gauche. Alors, je dois continuer, nous dit Olive, de m'entraîner dessus, car pas l'habitude de jouer à la manette et à la souris. J'ai connu ce jeu sur la première Xbox. 1 gauche, 50, 4 gauche. Oh, la poussière. Enfin bon, cette circonstance. Oula, c'est ma bagnole qui a été tamponnée. 50, de gauche, attention, saut. On voit largement le dégât. Oui, cool, j'aime bien, c'est une autre histoire, une demoiselle d'horreur, les épisodes animés de Man on Bale, c'est du beau boulot. Alors, je vous confesserai que je ne connais absolument pas les œuvres dont vous êtes en train de parler. Je suis vraiment pas familier du genre. 50, 2. Oui, Tunsen, s'il y a de la poussière pour envoyer des agents d'entretien. Oui. Oui, ça se voit bien, tiens, là, d'ailleurs. J'ai complètement blanchi la tuture. Hop là. Ouais, donc je regarderai. Je regarderai plus tard. Avec un peu de chance, ça va être une étape. Si elle est pas traître, sur le papier, on peut penser que c'est une étape qui va être rapide. Dans le sens que la vitesse moyenne va être élevée. Je vais tracer, à mon avis, qu'en 5e et 6e rapport. Tout du long. Je t'ai envoyé un message privé sur Discord pour le stream PS3. Merci Twinsen. Alors sache que je jetterai un coup d'œil à ton message privé à ma pause déjeuner. Il faut surtout pas que je lance Discord et Streamlabs en même temps. Ils se bouffent la tronche. Donc j'ai remarqué que c'était un facteur aggravant de plantage de Streamlabs. Donc là je l'ai désactivé tout complètement, déchargé de mon ordi. 2, 1. Et je leur lancerai tout à l'heure à 13h04. Mais merci à toi. 50, sur crête. 150, de droite. 50, de gauche.
dans 2, droite. 50, très long, 4, droite. Dans long, 4, gauche. Dans tout droit. Dans, attention, tour devant. Je suis intrigué parce que j'entends des bruits bizarres dans mon quartier. 50, sur ça ne me rassure pas. Ça me fait presque l'effet qu'il y a des tirs de mortier, de feux d'artifice au loin. 50, de droite, dans de gauche. Alors c'est la Saint-Nicolas dans ma région, il y a eu la fête hier dans la ville. On a même le maire a reçu le dit Stéphane Bern, puisque Stéphane Bern a passé une partie de sa vie à Nancy. Mais là, le matin, je comprends pas. J'entends des boum 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 au loin. Ça me perturbe. 50, 1 gauche. 200, sur crête. Oui, je suis à fond de 6ème là. Là, je trace, mais comme un malade. Droite, serré, dans très long, 4, droite. Oh là là, tracé tout droit. 100, sur crête. J'aime bien, il y a une ambiance Paris-Dakar, j'aime bien. Ça me plaît beaucoup. 50, sur crête. Okay, c'est vraiment 50, déplaisant. 3 droite. 50, 1 droite, dans 4 gauche. 50, 1 droite. 100, attention, tour devant. 50, 1 droite, sur vous. 50, de gauche. 50, long, de gauche. Serré, sur, 3 à gauche. 50, 2 droite. 2 minutes 40. Cool, sympa. Alors. 3, 2, 1, vas-y! Je viens de le mettre en message privé ici. Ah, tu veux dire sur Twitch? Alors, pour gérer mon retour, il faut pas que j'ouvre le navigateur non plus. Je te dis une scène, pardon, mais dans je te lirai. Ou alors. C'est quoi, il aurait fallu que j'ouvre ma tablette. J'ai hésité avant de prendre l'antenne, de dire est-ce que j'ouvre ma tablette pour voir éventuellement des messages sur Discord. Et je l'ai pas fait, pardon. Mais promis, tu une scène. Je te lis tout à l'heure entre 13h et 14h et je te répondrai le cas échéant. Voilà. C'est FunFan qui arrive. Mon dieu. Alors, sur ce, je me mets en l'heure cachée. Je commence la diffusion du jeu en famille à jour. Je vous fais des bises et souhaite bon stream. Merci, Coachat. Oui, merci, Olive. Bon direct à toi. N'hésite pas si tu le souhaites. Hein, j'invite toujours. Moi, je suis très souple sur la publicité et machin et le fait de s'annoncer. Si. Quel est le jeu que tu fais voilà. Tu vas faire dans les minutes qui vont suivre. Si éventuellement certains sont intéressés, voilà, faites-vous plaisir. J'entends vraiment des bruits bizarres. Attendez. Excusez-moi, je vais vraiment m'absenter peut-être 2 minutes, mais je vais regarder par la fenêtre ce qui se passe, je comprends pas. J'ai l'impression qu'il y en a qui tapent presque comme au bélier contre des murs, là, je comprends pas. Alors pardon, 2 minutes. Sur crête. Un droite dans 4 gauche. 50. Attention, tour devant. 50, un droite, sud.
3, 2, 1, vas-y. 50, sur crête. Me revoilà. Donc, voilà, j'ai ouvert ma fenêtre pour observer. Et apparemment, alors, je pense pas que ce soit une fête si tôt le matin en ville. Peut-être des travaux, je sais pas, mais il y a vraiment un truc qui percute en centre-ville, bam 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 bam, bizarre. Ouais, c'était l'homme invisible qui jouait, ouais, c'est ça. Oui, alors du coup, pardon, j'appe parce que oui, vous êtes sûrement la deuxième réédition du ralenti, mais voilà. Mais au moins là, je suis rassuré. Tac tac tac. Alors, attends, j'en suis où dans le championnat africain, je sais plus, c'est la quatrième étape ou quoi? Non, c'est pas un chapeau du parc Astérix, c'est Europa Park. Europa Park, près du Rhin, côté allemand. Elle vient de là, ma coiffe sanglier. Papa. C'est que c'est si étrange, j'aime bien quand tu réponds à une scène par voie postale. Ah là là. Comment ça, c'est un scandale? Ah, les sangliers, c'est chez les Gaulois. Ah ouais. Bah là, là, vous le voyez mieux, mais moi, ça me pèse sur le front. Mais non, non, je le remets. Pour que le fait de porter me soit agréable. Par le sanglier. L'idée d'en manger, peut-être pour les fêtes. Je vais peut-être avoir ce bonheur-là. Tiens, je suis en train de le lire. 3, 2, avec 1, une bonne sauce au poivre, j'adore. Sur crête. Oh, le pied. 50, 3 droite. Dans 2 gauche. Papa, la papa, la papa, première chicane, premier gadin. 100, sur crête. 50, 4, droite. 50, 3 à gauche. 100, 4, droite, sur crête. 50, long, 2, droite. 100, 4, droite. Attention à la dans ligne. 5 gauche, dans 5 droite, 50, très long, 4 gauche, serré. Oui, ça sera ferme. Ouais. 100, 2 droite, sur crête, 50, 2 gauche, dans long, 3 droite, sur crête. 50, attention, saut dans 2 gauche, dans long, 2 droite. 100, 2 gauche. Attention, saut. Alors, beau gadin de ma part. 50, ça a 5, été violent, droite. Aussi bref que violent. Non! Je veux pas rester dans le fossé. 50, attention, saut. Dans 5, droite. Oh mais ça tambourine comme... 50, mais c'est incroyable, mais c'est la parade de Rio de Janeiro qui se passe en ville là. Oh les bam 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 bam, ça y va. 50, c'est surtout... saut, 50, long, on est dimanche en plus, il est 10h du matin.
dans 4 gauches. C'est peut-être une nouvelle version de festivité de la Saint-Nicolas, ça doit être ça, c'est pas, ça peut pas être autre chose, je comprends pas. Il va se passer un truc, vraiment un truc de fête en ville. Long, 3 droite. Centre, 2 gauche. Deux gauche. Cinquante, attention, saut. 100, sur crête. Dans 5, droite. 50, attention, saut. Bon, bah, contre-performance de ma 50, part. Long, 3 droite. 50, long, 4, droite, serré. Merdoum! Oh, la voiture qui répondait plus. Ça, c'est peut-être un malus dû à la panne. Enfin, de l'endommagement du véhicule. Elle a pas du tout répondu au freinage et à la direction. Arrivé! Ah, je peux pas être premier, c'est pas possible. Oh, l'état de la bagnole. Ah, si, je suis premier. Bon, le jeu est très indulgent. On voit que je suis vraiment facile, hein. Alors là. Quelles sont tes connaissances sur les appareils de simulation automobile, volant, pédalier, siège, etc. Je me renseigne. Il me semble que tu es équipé. Je te confirme. Je te confirme. Oui, je pourrais te donner des indications. Ouais. J'ai essayé plusieurs modèles. Alors moi j'étais accro au Logitech G25, G27 pour ce qui est volant pédalier. Un beaucoup plus modeste d'entrée de gamme, il y avait un autre Logitech qui était le Wingman. Mais bon, il faut le réserver strictement à l'arcade celui-là. Tu peux essayer de faire un peu de simu, mais je pourrais te conseiller. Ça dépend de ce que tu recherches, de ton budget et des modèles en fait qu'il y a sur le marché. Alors, il a peut-être une parade de Gilles qui distribue des oranges. J'ai connu ça quand j'étais petit, ça faisait un méga bouton. Je sais pas si la tradition existe toujours. Alors, je sais pas si cette tradition-là des Gilles qui distribuent des oranges, oui, c'est dans le Nord, ça, normalement, ou en Belgique. Bonjour Romanus Cauti, j'espère que tu vas bien. Mais je pense que cette année à Nancy, ça doit être une nouvelle nouveauté de l'édition de la Saint-Nicolas, parce que là c'est la première fois qu'un dimanche matin j'ai autant de bourrinades alors que j'ai fenêtres et volets fermés, quoi. Donc non franchement là wow, impressionnant. Il y a une parade de fou furieux en centre-ville. C'est une scène. Oh non. Oui, donc bonne nouvelle, mon cher Romanus Cayutus. Je peux diffuser la PS3. J'ai eu un beau succès technique ces dernières heures. Donc du coup, bah, je vais diffuser de la PS3 cet après-midi. En gros, entre 14h et 17h. Je sais pas quoi encore comme jeu, j'improviserai tout à l'heure. Mais c'est l'idée de faire l'intérêt de faire des réglages techniques. Que je prenne surtout des mesures, notes au niveau du son. Que je vous rende pas sourd. Parce que si je vous envoie un son trop puissant, voilà, ça le fait pas. Oui, c'est très cool. C'est très très cool. Là, je te cache pas que ce matin, je suis en joie. Rien que pour ça, ça ouvre le champ des possibles. Et ça a plein de contenu à faire là aussi. Ah là là là. Ouais, tiens, petite critique de l'œuvre du Derzo, et encore que le malheureux n'est plus,
Et il y a eu des successeurs, si je puis dire, qui ont continué les albums, si j'ai pas d'annerie. Le dernier album dont j'en ai entendu parler, là, j'aimais pas le principe des, qu'on appelle ça, des anachronismes. C'est-à-dire de mettre de mettre des objets qui correspondent pas à la bonne époque. Donc on se retrouve avec les gallo-romains et une fusée pour aller dans l'espace. Enfin bref, il y a eu un truc comme ça. Donc, j'adhère pas, mais bref. Oui, Obélix va t'attraper pour te manger, oui. Ah là là. Oh, j'ai éclaté le... Tu parles, un choc pareil, la vitre, elle a explosé. Oh, c'est génial, on voit la piste en arrière-plan, le... J'adore l'effet de profondeur, j'adore. Je gagate à chaque fois comme un niveau. Mais je suis très réceptif à ça. Ça fait vraiment immersif. Et du coup, oui, je disais, est-ce que j'ai fini l'Afrique ou pas? Ah non, ça c'est ma position troisième, mais c'est le numéro de l'épreuve qui m'intéresse. Voilà, j'en arrive à la dernière épreuve de l'Afrique, la cinquième et dernière. Ok. Apparemment, ça va tracer quasiment presque tout droit, enfin surtout dès le début là. Ah, j'ai pas testé le casque, Romanus Caiutus, pardon. Merci de la remarque, mais non, je l'ai pas manipulé là. Peut-être vais-je le faire pour cet après-midi. Excellente remarque de ta part. Ouais, j'ai pas pris le temps de manipuler le casque ce matin. Tu fais bien de me provoquer là-dessus. Ouais. Je vais le brancher à midi, je vais voir si j'ai pas... Enfin, si ça se passe bien. Faire des petits tests en off. Ouais. Donc le temps que je donne Pénard Pépouze, que je fasse mes tests, à mon avis, je vais plus reprendre l'antenne vers 14h30 que 14h. Enfin bref, de toute façon, vous aurez la notification. 4 gauche, 50, attention. 50, 2 droite. Il a déjà un casque. 50, 2 gauche. Mon Dieu, m'en parle pas. Dans 1 gauche, 50, 4 droite. 50, sur crête. 50, j'allais dire ça va passer à mort, mais non, il y a quand même des virages. Il y a quand même des virages. Sur bout. 50, de gauche. Bébé. 50, attention. Sur bout. 50, attention. Tour devant. Dans deux droites. Sur bout. Sur crête. 50, 1 gauche, attention, tour devant, dans 3 droite. 50, 3 gauche, attention, sur crête. 50, 2 gauche. 50, 2 droite, serré, dans 3 droite. Ouais, ça se referme. 50, attention. 50, sur crête, dans 1 gauche. 50. Sur bout, dans 3 gauche. Sur bout, sur crête, dans 3 droite. 50, sur crête. 50, de gauche. Dans 4 droite, serré. Dans 5 droite. Hop, j'ai failli me péter l'arbre. 50, de gauche. Dans 3 droites. 50, hop, 4 hop. Petit saut bien traître. 50, 4 droites. 50, sur crête. Dans 2 droites et 4 gauches. 50, attention, saut devant. 50, sur crête. Dans 2 droites. 50, de gauche. 50, épingle gauche. 50, attention, saut devant. J'ai mal géré l'épingle. 50, épingle droite.
Attends, 5, gauche, ouvre. Je peux le faire. 100, long, de gauche. 50, sur crête. J'ai beau écouter les instructions du copilote, je lis mal le tracé. 50, sur crête. 50, épingle droite. 50, de droite. 100, 1, gauche. 'Aïe, l'Afrique, c'est derrière nous. Mais c'était fort sympathique. Vas-y. Non, pas casque de pilote, casque micro pour jouer. Entre autres. Ah là 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 là. De gauche. Bah tiens, du coup, normalement j'ai rangé ma tablette 50, là, je crois. Attention. Donc faut pas trop que je les calme. Je vais essayer d'activer la tablette quand même et de voir ton message, mon cher Twinsen, avant ma pause déjeuner. Oups. On voit un peu mon arrière-plan avec le carton de déménagement. Ah, j'ai flingué mon cadrage. Ah merde. Attendez voir. Mais là, vous ne voyez plus. 50, attention. 50, sur crête. 100, 1, gauche. Bref, oui, ça va. C'est correct. 5. Ah là là. Je sais plus, elle est allumée la bête ou pas? Oh, elle est dans un état de cracratitude, Burke. Et ça continue. 50, bam, 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 gauche. Bam, j'entends les percussions. Là. 104, droite, serré. Ça y est, j'allume la bête. La bête qui va me permettre d'accéder à mon Discord pendant le direct. Ah oui, non, plutôt café au lait. Alors, mince, faut que je choisisse mon mot de passe sur la tablette. Bicose verrouillage. Oh, l'hélicoptère, vachement bien derrière. La course poursuite. Bonjour, Dragon Sky, bienvenue. Oui, merci, bon dimanche à toi aussi. Bon bah c'est le vroom vroom du dimanche matin moi en ce moment. Ah j'espère que tu vas bien Dragon Sky. Ah ça 50, fait plaisir de te voir. De droite. Allez, oh là, ici. Bon, le signal de la tablette. Qui continue son chargement. Oui non la vitesse moyenne était vachement élevée là. Le boulet de canon. Alors là, par contre, il faut que je sauvegarde mon championnat puisqu'on arrive dans un nouveau pays. Tac, tac, tac. Sauvegarde est parti, ouais. C'est le moment opportun. Voilà, on va avoir la présentation après la victoire.
Il est beau le logo du championnat kényan. J'aime bien. Allez, présentation. On va où? Et voici le rallye le plus rapide de tous en Finlande. Le Mille Lacs est plus un sprint qu'un marathon. C'est comme un grand prix sur gravier. Le défi pour les pilotes est d'assurer sur les routes ondulantes et bosselées. Ces bosses engendrent le chaos tout le long du rallye. Une poignée seulement de pilotes étrangers a réussi à finir premier sur ce circuit. Nul besoin d'être finlandais pour gagner, mais ça peut aider. Ok. J'espère que je vais pas faire pareil dans le jeu. Alors là, l'image là, elle est terrible. Waouh. Très piégeux la Finlande. Ça m'avait marqué moi dans ma précédente carrière dans cet opus. En fait, vous avez quasiment constamment les poteaux électriques le long de la route. Et ça pardonne pas. C'est stressant de voir la lignée de poteaux qui vous suit. Et la Finlande, non, non, c'est. En plus, c'est un terrain genre similaire au Royaume-Uni. C'est assez. Accidenté, c'est boueux, c'est pas facile. C'est pas facile. Bon, bah, on va voir ce que ça va donner. 3, Oui, 2, voilà, on voit 1, déjà la ligne à côté. vas-y. Ça va être que ça. De mémoire, les 5 Dans deux épreuves, on manches, va voir tout le temps 50, les 4, poteaux sur le droite, côté. sur crête. 50, épingle gauche. Cinquante, long, 4, droite. Sur crête, 100, attention, saut devant. 50, saut devant. 200, 3 droite. 150, de gauche. Ah, ligne droite pour se faire pour 50, sur crête, 50, 3 droite. Dans épingle gauche. 50, 5, droite. 50, épingle gauche. 50, 4, gauche. Ah! J'ai une question 50, par rapport à la chaîne à attention, vous tour poser devant. après. Il y 50, a. deux droite. Je me concentre. Sur crête. En m'attendant des ralentis, 50, je me suis fait une droite, serré. autocritique. Dans Et il y a un 4, truc qui me droite. dérange maintenant. Sur crête. J'ai hâte d'avoir votre avis. 50, 3 à gauche. 50, 5, gauche. 50, 5, droite. 100, 2, gauche. Et 5, droite. Sur crête. 100, épingle gauche. D'ailleurs, je suis même en train de penser à un test quand j'aurai mon 100, 3, modérateur droite. en chef fan. C'est avec un peu de chance qu'il me fasse un petit Sur coucou crête, dans la journée. dans 4 Il faudrait gauche même qu'il me et fasse un 4 droite. sondage bidon, on s'en moque. Je serais curieux de voir comment réagit mon logiciel de captation de chat là. J'utilise le logiciel 50, Chatty. attention, saut devant. Et c'est un test que 50, j'ai pas fait. attention, saut devant. Faudrait que j'essaie d'y penser cet après-midi. 100, 3 droite. Avec un peu de chance, il sera là. De gauche, serré. Dans 4 gauche. 100, 3 à gauche.
l'arrivée. Ouf, ça va. Oui, bon, je finis premier, mais c'est que la première étape. Oui, donc je pensais. Déjà, je vais vous lire. 2, 1, oui, vous êtes bon, bonjour, vous, c'est bien, vous savez. Mon habillage, quand je mets le sage de Nancy en rouge là, je finis par me dire, mais ça fait un peu m'as-tu vu, limite, je me la pète avec mon pseudo. Et ça m'a mis mal à l'aise. Sur le coup, je l'ai fait spontanément dès la première version en me disant c'est une manière moi de me présenter. Mais comme un moment m'avait fait la remarque FunFan très pertinemment en disant mais si on clique sur ta chaîne on sait que c'est toi, ton nom de chaîne est clair. Donc vous en pensez quoi? Je garde le sage de Nancy ou je vire l'intitulé de mon pseudo avec mon signal de caméra? Voilà, je serais curieux d'avoir votre avis s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes pour, est-ce que vous êtes contre 150. Alors tu une scène, toi t'es pour que je le vire. Ouais, ok. Alors j'arrive à rendre les jeux PS2 plus beaux sur émulation, je parle graphiquement. Oui, ça c'est probable, Dragon Sky. Ouais, ouais, avec un lissage, des effets spéciaux en traitant de l'image. Mais c'est le genre de truc, je pense pas pouvoir faire autant avec la captation réelle, quoi. Ah, tu peux mettre un logo à la place dans un coin. Pas bête du tout, mon cher Twinsen. Ouais. Le logo avec ma tronche LSDN avec la bergamote, là, en losange jaune. Excellente suggestion. Merci, Twinsen. Je vais voir si je vais pas te faire l'habillage carrément pour cet après-midi. Oui, toi aussi, Zex de Citron, t'es pour à ce que je leur tire. Ouais, ça fait bidon, en fait. Ouais, ok. Ouais, bah, je vais le valser. À la place, je me demande, et encore là, on est dans l'habillage de Streamlabs. Je me demande si à la place, la bordure entre, qui sépare entre la webcam en bas et le chat, je me demande si je vais pas mettre un petit bandeau gris comme l'horloge. Et je vais rajouter en petit les compteurs que j'aime bien, gadgets, qui apparaissent seulement en général dans mon gros plan de tronche, le deuxième plan, le nombre de connectés en temps réel et le nombre de fidèles. J'aime bien, c'est dans l'univers que je voulais monter en digital, ambiance cyber, cybernétique, si je puis dire. Alors, tu une scène, tu dis... oui, toi aussi, Dragon Sky, t'es pour que je le retire. Oui, bon, moi, je vais le virer pour midi. Là. D'ailleurs, je pourrais même le virer là. Attendez voir. Bougez pas. Voilà, je l'ai viré. Il suffit de cliquer sur l'œil. Et puis hop. Ok. Bon bah au moins c'est ça de fait. Ma tablette, est-ce que j'arrive à l'activer? Ah, elle se charge tout doucement. Hop 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 hop. Faut pas que je passe tomber du matos. Arrivée. Ah mince, c'est l'arrivée. Bon bah je passe à l'épreuve suivante. Oui, elle est diesel là. Elle est encore en PLS là. La tablette. Non, pas continuer le ralenti, non. Continuer le championnat par contre. Je veux bien. Le sanglier de Nancy. Mais bien sûr, tu te sais, bien sûr. Non mais j'ai deux de coiffe, mais bon, je profite que voilà, c'est l'hiver, c'est le moment opportun. Mais tu as pas dit que je mette une autre coiffe cet après-midi. Ça m'empêchera pas d'avoir la bonne température. Là, je les ai pas à portée de main, je les ai à vue, hein, mes coiffes. Je les ai entreposées dans un coin de ma pièce, mais je vais peut-être changer de coiffe pour cet après-midi. Coiffe sapin, non. Ça aurait été marrant. Hein. Écoute, j'aimerais bien avoir ce genre de coiffe à la Céwen pour le délire, pour l'ambiance de Noël. Et toi, tu une scène, tu reverrais complètement un habillage totalement différent. Eh ben.
3, 2, 1, vas-y! Alors, attention, c'est traître la Finlande. Oui, j'ai encore ma coiffe irlandaise, cousin. Ouais, je l'ai. Je l'ai. Dans deux droites. 50, de gauche. Dans un droite. C'est peut-être, je veux dire, la seule étape où il n'y a pas les poteaux, les revoilà. 50, 4 gauche. Faut que j'en parle pour qu'ils reviennent à l'écran. Puis là, t'es cerné des deux côtés. Allez hop, c'est la fête. 50, de gauche. Sur crête. Je prends une profonde inspiration ligne droite. Ça fait du bien. 50, 1 gauche. Sur 1 droite. 50, 4 gauche. C'est très scandinave les petites maisonnettes sur le bord de la route. On avait pareil en Suède. Le week-end dernier d'ailleurs, j'avais touché du châssis arrière le toit d'une d'entre elles. Ça fait l'objet d'un clip d'ailleurs, vous verrez ça dans la compilation du meilleur au 1er janvier. Dans 2 droite, 50, 3 à gauche. Attention, saut devant. 50, attention, saut devant. 50, de gauche. Hop là. Joli saut, bien maîtrisé. J'ai freiné juste avant la bosse. Histoire que le train avant parte partout vers le ciel. De gauche. Sur crête. 50, 4, droite. Cinq, gauche. Sur crête. 100, 3, droite. 50, attention, saut devant. Dans 4 gauche. Dans 4 gauche. Dangereux. Très piégeux. Dans 3 droite. On dirait 50, pas, mais. De gauche. C'est peut-être pas apparent à l'image, mais il y a des subtilités sur là. Dans le 3 tracé gauche. Qu'il faut pas négliger. Arrivé. Je crois que je m'en sors très bien. En plus net, 2,5700. Tac. Ok. Ouh. Bon alors la tablette et puis je vais vous 3, lire sur le chat. 2, 1, vas-y. Ouais. Je vais reprendre rapidement en main. Que je vous dise. 50, long. Oui, ça paraît trop compact, j'ai une coiffe de dinde de Noël. Ça te paraît trop compact. Je peine à interpréter ton propos. Qu'est-ce que t'appelles par trop compact? Tu voudrais que les polices d'écriture soient plus grandes encore? Dans le sens que j'ai surchargé mon écran? Manus dit que tu ne tournes pas correctement. 50, j'ai une coiffe d'Inde de Noël. Sérieux, Dragon Sky? Sur crête. Dans. Oh, c'est que je suis trop. Non, ça manque de charte graphique de bordure. Ah, il est vrai que j'ai pas travaillé ça. 50, mais ça pourrait s'arranger. Droite. Ça, j'y ai pensé, ouais. C'est vrai que ouais, ça fait un beau truc. Ça y est, j'ai compris. Ouais, ouais. Merci du commentaire, Tonsen. Oui, ça ferait moins boulot, moins que chaud. Ouais, ouais. Mais en fait, il faut que je sois certain, tu sais. Enfin, certain. De la composition de mon écran, quoi. Mais ouais, t'as raison.
Je vais réfléchir à ça, faire un truc propre, net. Il y a une légère transition visuelle entre les différents éléments. Alors. Ouais, elle est encore dans les vapes, la tablette. Hein. Elle est terrible. Elle se fait vieille. Voilà, je peux pas saisir mon mot de passe. Hop hop hop, oula, ça tient mal. N'importe quoi, j'ai failli la faire tomber moi. Bonjour Mme Bastos, bienvenue, j'espère que tu vas bien ce dimanche matin. Attention, tac. Tour devant. Dans 4 gauches. Alors. Aïe 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 aïe. Attends, je vais laisser tourner un petit peu. Mon avis, d'ici 5-10 minutes, j'aurai peut-être accès à mon Discord. Alors, tu peux en avoir deux. Un pour les jeux 4 tiers et un pour les jeux 16 neuvièmes. Là aussi, c'est en projet. Mais je m'en suis tenu qu'au 4 tiers pour le moment. Mais tu as parfaitement raison, Twinsen. Je pense remanier différentes scènes en fonction effectivement de ce que je fais, de ce que je vous présente et de voilà, de ce que je dois gérer comme signal vidéo. Ouais. Très bien vu, Twinsen. Pardon. Ouais. Excellente, judicieuse remarque. L'étape qu'à venir m'a pas l'air d'être évidente. Trouver une sorte de thème à la chaîne. Oh, tu sais, le thème à la chaîne, je pense qu'il... Voilà, c'est ces trucs cyber avec tout en affichage digital, j'adore ça. Alors, j'avais l'image de Joey dans Friends qui s'est mis une dinde sur la tête en passant dans sa tête dans le croupion. Si on peut dire ça, je trouverais ça drôle si le chapeau faisait ça. Oui, sûr. Tout comme Mr. Bean à l'époque. Ah, j'aime bien Mr. Bean, mais je crois pas que j'ai... Non, j'ai pas vu tous les sketchs de Mr. Bean. Le film est excellent. Avec justement le coup de Thanksgiving et la dinde dans le four à micro-ondes qui explose là. 50, de droite, dans de gauche. Pop, très mauvais départ. Dans un droite. 50, attention, tour devant. Dans 3 droites. Et 1 gauche, attention, tour devant. 50, sur crête. Dans 2 gauche. 50, sur crête. 50, 4 gauche. Sur crête. Épingle droite. Dans 4 gauche. Attention, tour devant. 50, épingle droite. Sur crête. 50, sur crête. Dans 1 droite et 3 gauche. Sur crête. 50, 3 droite. 100, sur crête. Dans épingle gauche. J'ai limité la casse. 100, ça aurait pu attention, beaucoup plus mal se terminer. 50, 5, là. Droite. Ouais. 50, 2 gauche, sur crête. Dans 2 droite. 1 droite, 50, 2 gauche, 50, long, 4, droite, 50, 2 gauche, dans 2 droites,
50. Attention, tour devant. 50. 3 à gauche, serré. 105, gauche. 50, sur crête. 50, 2, droite. 50, sur crête. Dans 3 à gauche. Hop là. 50, 4, droite. Dans épingle gauche. Et 5, droite. Dans 3 à gauche. 50, 1, droite. Dans 4, gauche. Sur crête. 50, 4, droite. 50, 2, droite. 50, 5, droite. Arrivé. Ok. Je pense que je m'en suis bien sorti. J'étais à peu près régulier. Ouais, ouais, c'est bien. C'est même très bien. Je suis limite d'avoir que du vert. C'est cool. 3, 2, 1. Vas-y. Mais oui, ça va bien, mon cher Bon Bastos. Voilà, je parlais en début de prise d'antenne que en ce moment j'ai la gorge qui me titille. Mais là, ça va, je bois un petit coup et j'ai la voix à peu près claire. Oui, ça va bien, merci. Puis je récupère de ma fatigue de la semaine. Et un gauche, attention, tour donc, devant. Je ne peux qu'apprécier mon dimanche. Hop là. Elle est terrible, cette tablette. Alors, est-ce qu'elle va accepter de me donner la main? Non, elle me boude encore. Il y a un truc qui va pas, faut que je laisse mon berger. 50, alors, que je vous lise, que je vous lise. Oui, la scène, ouais, de Mister Bean. À chaque fois, j'ai toujours l'erreur 3000. Quand j'arrive pas à suivre. Je comprends pourquoi tu parles dans Dragon Sky. Temps, attention, tour de... 1. L'annonce, pourquoi est-elle? Je l'ai faite tout à l'heure. Je peux diffuser la PS3. Voilà, j'ai eu un test qui a marché ces dernières heures. Donc je suis bien content. Je vais pouvoir vous diffuser de la PS3 et je vais le faire dès cet après-midi. Je pense que au niveau des réglages de son, je vais justement commencer par l'œuvre immersive que j'aime beaucoup, contemplative, qui s'appelle Proteus. Ce sera l'idéal pour faire des réglages son sans vous péter les oreilles. De gauche. Oui. De droite. Ouais, ouais. J'ai enfin eu la combinaison gagnante. Devant. Et donc, ultérieurement, je prendrai le temps de prendre des photos et d'expliquer quel matos j'ai acheté, comment j'ai fait mes réglages pour la PS2 et la PS3. Comment faire pour que vous puissiez à votre tour, si vous n'avez pas la soluce gagnante, pouvoir émettre. Oui, Dragon Sky, si tu peux donner plus de précision sur ton erreur 3000, là je comprends pas. 4, droite. C'est... Ça m'intrigue. Hop là. Je vais revoir un coup. Sujet. Sony prépare le projet Spartacus qui viendra concurrencer le Game Pass, rendant possible de jouer à des jeux rétro de la PS1 jusqu'à la PS3 sur les dernières consoles de Sony. J'ai envie de dire, il était temps. À part les émulateurs, j'avoue que j'ai pas trouvé beaucoup de solutions. Heureusement, j'ai les jeux originaux. Ouais.
ouais, de temps en temps, ça fait des micro-bugs et après ça fait erreur 3000. Veuillez rafraîchir votre navigateur. Ah, quand tu me regardes moi sur Twitch là, tu dois avoir un pépin de bande passante, Dragon Sky. J'ai l'impression qu'en fait le navigateur soit arrive pas à rapatrier les données internet, soit tu surcharges ton ordi, il y a peut-être trop d'applications en même temps et il est entre guillemets à bout de souffle. Et il peut pas constamment traiter de manière régulière le multimédia dans ton navigateur. J'émets des hypothèses, hein. Ouais, ça tente de penser à rivaliser le Game Pass, ouais. Là, 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 là. Ah, ça y est, la parade est finie en ville. J'entends plus de boum boum boum. Le calme est revenu. Je comprends pas, hier soir ça marchait très bien. 3, Bah, c'est peut-être 2, 1, ta, je sais pas, ta connexion internet ce dimanche matin qui est en PLS. T'as peut-être 50, localement un 1 souci droite, avec ton dans fournisseur d'accès 1 gauche, internet, hein, ça sur arrive. 50, Il y a peut-être un 5 droite, entretien dans les locaux plus proches, sur la voie publique. Dans Ils 2 font des gauche manips. et 2 On va droite. savoir, il y a peut-être une opération du fournisseur d'accès internet dans ton secteur, Non, épingle gauche. même logiciel, ça peut être pas mal de trucs. Et du coup, t'as 50, long, tes services 2 gauche. internet là, qui répondent au doigt et à l'œil. 50, long, 2 droite. Ça fait partie des jeux de l'informatique. 50, Après, le coup 4, classique 3. dans la méthodologie de résolution de problèmes, Dragon Sky, il faut que tu repenses chronologiquement quels éléments perturbateurs 50, il y aurait pu y avoir entre le moment où ça marchait et le moment où ça marchait plus. Est-ce que tu as Non, mis à jour un 5 à gauche. logiciel? Est-ce que tu as touché un câble où il y aurait un faux contact? Voilà, tu te dis, mince, qu'est-ce que j'ai fait entre temps qui aurait pu foutre en l'air et dégrader mon expérience 5 à internet, quoi. Droite. Si l'erreur vient de toi, c'est ça le problème. 50, Il épingle faudrait gauche. déjà savoir si ça vient de toi ou si ça vient de ce que je t'ai expliqué. 50, 4, droite. 200, attention, épingle gauche. Je l'ai vu venir celle-là. Surtout qu'il flotte. Et c'est parti en planche à 50, savon. Sur crête, 50, de gauche, dans 3 droite. 50, sur crête. Dans 5, droite. 50, 4, droite. 50, épingle gauche. 50, 4, droite. 50, 5, droite. 100, je passe même 4, pas entre gauche. Les balises. N'importe quoi. Je fais tellement l'intérieur du virage que je suis dans l'air. Oh, trop large. 50, long, 4, droite. Ah, difficile. Enfin, c'est vachement sombre. 50, 5, gauche, sur crête. 50, long, 4, droite, sur crête. 100, long, 4, gauche. 50, 5, droite. Oh là là, mauvais chrono. 5, gauche. Mon secteur est pas bon. 50, attention, tour devant. 50, attention, sur crête. Sur crête. 50, 1, gauche. Sur crête. 50, sur crête. 50, attention, tour devant. Dans 4, droite. Hop, je suis allé beaucoup trop vite.
l'arrivée. Ouh, j'ai envie de dire, il était temps que ça se termine. Là, je finis deuxième. Ouais, sur la fin, là, j'ai pas été bon. Ouais. La deuxième partie de l'épreuve. Ouais. Alors, oula, ça bouge. 3, 2, ouah, 1, j'ai de la lecture, c'est merveilleux. Alors, pour le coup, Sony a vu les chiffres du GP, du Game Pass. 1 gauche, sur crête, 50, 5, ça, droite. Oui, ils vont mettre ça en place très vite. À cause du Game Pass, je me dis que je ferais mieux passer à la série S au lieu de prendre une PS5 où le catalogue de jeux Next Generation est très réduit. Je suis obligé de regarder. Ah, t'es obligé de regarder tout ça sur son P. Ah, d'accord. Ah, c'est une erreur de Chromia Twitch. Merci 50, d'avoir procédé à des recherches, j'ai vu ce qu'on. Une erreur du navigateur Google Chrome liée à Twitch. Alors si tu peux essayer un autre navigateur, peut-être que ce serait mieux. Que te dit ton gestionnaire des tâches au niveau de la mémoire et du processeur? Ouais, les ressources sollicitées. Très bonne remarque de Bombastos. Je vais faire des recherches pour les soucis de connexion. Ouais. Pour savoir si votre fournisseur d'accès à Internet est potentiellement en panne. Mince, j'ai un trou de mémoire. Il y a un site qu'il faut regarder qui est connu. Ouh, dur la mémoire. Oh, j'ai un trou de mémoire. C'est horrible. Ah, quelqu'un va faire des courses. Bonne course à Twinsen. Bonne course à toi. Oui, tu les fais les dimanches en fin de matinée. Bonne course à toi, à bientôt, à très vite, mon cher Twinsen. Et encore merci de tes remarques de ce matin. Alors, d'après ce que je... des Microsoft propose plus sympa à avoir console et Game Pass. Je pense que sinon, tu n'arriveras pas non plus à s'aligner sur cette offre. Non, les pros, les membres n'ont pas... Oui, c'est pas saturé de ton côté, ouais, ça va. Et derrière, t'as des jeux de PS Plus qui sont de plus en plus mauvais. Là, pour décembre et Noël, ils auraient pu faire un effort. Tu es sur l'appli Twitch ou sur un navigateur? Oui, bonne question aussi, c'est vrai. Tac. J'installerai mes guirlandes extérieures cet après-midi. Ah, bah bon montage à toi, Romanus Calicus. En espérant que le temps, la météo aille avec, quoi. Ouais, c'est bien. Down Detector, merci de la piqûre de rappel, cher cousin Romanus Calicus. Merci, c'est ça. Down Detector. Moi, je pensais à des groupes tests pour tester le débit, mais mon cerveau a bugué. Ah là là là. Ah, et les niveaux de fidélité sur la chaîne, je vous en remercie, qui ont été mis à jour. 55, droite. Eh bien. Je vais peut-être baisser un peu mon plan de caméra. Voilà. Toup. Sur crête. Eh bien. Oh là, il est déjà 11h15. On va pas le temps passer, un plaisir de passer un bon moment en votre compagnie et de... 50, attention, saut devant, dans... De jouer, ça défile à une vitesse. Gauche. La suite. Oula. Zex de Citron, je vais avoir plaisir à te lire. T'as pris le temps de rédiger un long texte. Tac. Dernière étape de Finlande et on passe déjà à un autre pays juste après ça. Waouh. Alors, je suis d'accord avec toi, le catalogue ne fait pas honneur à ce que Sony peut offrir. Il y a des bonnes occasions parfois, mais à mon point de vue, l'essentiel des best-sellers se trouve sur les consoles précédentes.
Sony favorise les sorties remasters pour conserver la rentabilité sur les licences exclusives. Remaster ou remake, ouais. Ouais. Belle analyse. Ouais. Que voulez-vous? Que voulez-vous? Que voulez-vous? Non. Ne sois pas désolé des pavés. Moi-même, tu sais bien que j'adore en écrire et j'ai beaucoup plaisir à vous lire. Non, sois pas désolé pour ça. Moi, j'en suis friand. Je sais que certains ne le sont pas. Mais moi, si. 3. J'adore. 2, 1. Vas-y. Sur crête, dans 2 gauche. Attention, tour devant, 50. 1 gauche, dans 2 droite, 50. 3 droite. Et je pense pas que les autres dans le chat soient tant gênés d'avoir de temps à autre des pavés. On serait tous dans à rédiger 4, des pavés 3, des romans à chaque fois, je dis pas. Ce serait très particulier. 50, mais... attention, tour devant. Non, c'est cool. 50, de gauche, attention, tour devant. Dans 5, droite. 50, de gauche, serré. C'est beau, j'aime bien la palette de couleurs, la verdure finlandaise. 50, 4, droite. 50, attention, tour devant. Sur crête. Dans 1, gauche, attention, tour devant. 50, sur crête. Hop. 50, 3, gauche. Sur crête, dans long, 3, droite. Serré. Dans 4, droite. Dans 4, gauche. 50, attention, tour devant. 50, attention, tour devant. 50, sur crête. Dans 5, gauche. La reprise a été brouillonne. 50, 3, droite. Sortie de virage, là. Juste 50, après le point de contrôle, en plus. Dans 2, gauche. Dans 2, gauche. Arrivé. Oui, la Finlande, c'est fini. Ça va, je m'en sors plutôt bien. Alors. Tac. Que je vous lise. Ah, ça y est, je commençais à accéder à mon Discord seulement maintenant et je vais seulement lire maintenant le Twinsen qui est parti en course. Ouais. Alors, ça me dérange pas que le mec ait vraiment travaillé comme Final Fantasy VII. Mais à force de faire que des remasters ou des remakes, j'ai peur qu'ils se perdent au lieu de lancer de nouvelles licences, quitte à prendre des risques. Ouais, c'est vrai que cette part de risque, elle est. Ouais. Elle a vraiment décliné de la part des éditeurs. Ouais. Alors, il n'y a pas de problème du côté de Twitch avec Down Detector. Ok. Alors, tu vérifies attention, Twitch, mais n'oublie pas de vérifier ton fournisseur d'accès internet, Dragon Sky, dans Down Detector. Si tu vois qu'il y a un taux d'incidence nationale qui est perturbé en jaune ou pire en rouge, n'hésite pas à cliquer sur l'image pour avoir le détail de la localisation en France de qui se plaint de dans quelle région que ça marche pas. Attention, tour devant. Ça peut te donner la te mettre la puce à l'oreille et te donner une explication. D'accord, une fois de plus, il y a des jeux qui n'ont pas besoin d'être rafraîchis, comme tu le soulignes. Final Fantasy VII est une exception qui fait honneur à l'effort. Est-ce que tu as essayé de regarder le stream depuis un navigateur? Oui, déjà essayé, mais pas de changement. 50, 3 à gauche. Ouais, donc il y a un truc qui cloche au niveau de la bande passante et tu peux rien dans Dragon Sky, j'ai l'impression. Ouais. Je pense que t'as pas de bol dans Dragon Sky, c'est un dimanche matin où t'as une petite bande passante. Voilà. La faute, t'as pas de chance. 100, 4 gauche. Oula, vous avez été plusieurs à m'écrire. Oh. Oulala. Qu'est-ce que vous m'avez écrit sur le Discord? Bah mince. Oh non, ma tablette qui va se mettre en PLS. 50. Ah, pas mal ce que me propose Twinsen.
Pas mal, pas mal. Ah oui, mince, c'est déjà la fin de l'épreuve. Tac. Stock. Alors. Hop. Oui, alors attends, comme j'ai fini le pays, la Finlande, je vais sauvegarder mon championnat et on va découvrir quel est le prochain pays dans lequel on va s'aventurer. Hop là, hop là. Ah, c'est la boisson, Nesté. Oh, les sponsors. Alors, pays suivant, c'est quoi? L'Australie. Oh, Nouvelle-Zélande. Ah oui, d'accord. En... C'était pas Australie qu'il fallait dire, c'était Wellington. Pour les l'Océanie, voilà, chercher le terme. Basé en Europe, le rallye de Nouvelle-Zélande implique un voyage à l'autre bout du monde. Mais arrivé sur place, les équipes peuvent tirer avantage de la conduite sur le meilleur gravier du championnat. La surface sur l'île du Nord varie entre des routes publiques sinueuses et des chemins forestiers rapides couverts de roches détritiques. C'est un long détour, mais il en vaut le déplacement. Eh ben, oui, je comprends que tu rages, mon cher Dragon Sky, je viens de te lire. Ouais, t'as eu le retour de réparation de ton ordinateur pour le jeu et la diffusion Twitch de ta propre chaîne. Ouais, c'est concours circonstance, t'as la poisse qui te court après, quoi. C'est usant, c'est usant. D'accord, le problème des jeux qui... On a besoin d'être appréciés, machin, 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 tac, tac, tac. Oui, j'avais déjà lu. J'ai l'impression que tu as souvent des problèmes de connexion, désolé pour toi. Je pense que ça doit vraiment venir de ton fournisseur si en plus ton PC est optimisé, ouais. Ah oui, la photo de ta coiffe, Dragon Sky, excellent, merci du partage. Oh là là, ah mais c'est trop mignon. Ah c'est extra. Mince. Faut que je pilote moi. Faut pas que je regarde ma tablette. 150, 4, 3... Excellent, merci de la photo. Et là aussi, je présume que ça tient chaud, quoi. 50, 3 à gauche. 50, 4, gauche. 100, 4, gauche. 100, 5, droite. Sur 5, gauche. 100, 3, droite. Sur crête. 50, de gauche. Dans long, 3 droite. 50, 4, droite. 50, long, 4 gauche. 100, long, de gauche. 100, 3 droite. 100, 4 gauche. Ouvre, 50, 4, droite, serré, dans long, 4, gauche, 50, très long, 4, gauche, 50, sur crête, 50, 3, droite, 4 gauche, 50, long, 3 droite, 100, long, 3 gauche, 100, 3 droite, 100, très long, 4 gauche, 50, 2, 3. Non. Ah. Arrivé. J'ai vu que mon freinage était limite. Je l'ai ressenti dans le pilotage à la manette. Ouais, c'est ça. C'est pas le téléphone au volant, mais la tablette. C'est ça. Trois.
Alors, le fournisseur de coiffe. Non. Ah non, non, je pensais à la coiffe, tu sais, fournisseur, j'étais curieux dans la réponse où t'avais ta coiffe de dinde. Oui, non, on parlait du fournisseur internet, ouais. Opérateur de ma commune, c'est indépendant des autres. Ah ouais. D'accord. Voix d'assistant opérateur. Ouais, relancer la box, ouais. Ah ouais. Ouais, pour provoquer un... Comment on appelle ça? Le rafraîchissement, c'est un... Je suis censé connaître le terme, puisque je suis du métier. Dur, hein. La fatigue, moi, elle me fait des dégâts cette semaine. Resynchroniser avec le relais le plus proche, pour faire simple. 50, 4, 3... Ouais, c'est bien. Je suis en train de... De réfléchir par rapport à, au temps qui passe là et la, cette journée. Habituellement je coupe à 13h, mais je serais presque tenté de couper un peu plus tôt, entre midi et midi et demi, faire un relais par exemple à Olive qui tue, pour consacrer un peu de temps à mettre à jour mon habillage là pour cet après-midi. On verra, on verra. Alors, curieux, j'ai jamais entendu parler de ça. 50, je de sais droite. Qu'avec une commande spéciale, on peut écrire sur Twitch en italique, mais malheureusement, je la connais pas. Le mi, point, le slash ME. Slash ME. Et encore, Bambus Bastos, tu sauras que certains diffuseurs peuvent interdire l'usage de la commande. Moi, je laisse. Ça me pose pas de problème. point le slash ME mi moi. Oui, je t'en prie, Zex de citron. quoi? Oh, attends. Il y a Wisebot qui t'a. Ah. Oh, 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 oh. Alors pardon. Je viens de me rendre compte qu'en fait, je l'ai interdit. Je croyais que j'avais laissé le truc déverrouillé. Merdoum. Alors attendez. Bah. Alors j'ai dû faire le con avec le l'interrupteur, c'est on-off dans Wisebot. Et j'ai dû merder à la. Comme quoi il faut régulièrement revoir les paramètres. Et alors là je suis désolé. Je croyais que je l'avais laissé actif. Et ben je vais me le noter et je vais faire sauter ça entre midi et deux. Cet après-midi, vous allez pouvoir. Refaire le. Je me le gribouille sur ma feuille mémo. Slash mi, pas possible. Attendez. Voilà, je me le note pour tout à l'heure, que j'oublie pas. Ah non, alors là, désolé, pardon. Je croyais que j'avais laissé actif. Moi, par défaut, ça me fait ni chaud ni froid. Enfin, bref, ça me pose pas de problème. Et je me souvenais pas que je l'avais. Alors là, je l'ai verrouillé accidentellement l'usage de la commande mi. Faut vraiment que je pointe tous mes interrupteurs, quoi. Parce que si j'obtiens l'inverse de ce que je veux. Mais j'ai pas l'air idiot. Je me suis moi-même contredit. Aïe, aïe, aïe. Ouais, oui, pour certains, ouais, ça peut être gênant d'avoir ça. Mais. Ça. Ça. Pour moi, ça pose pas problème. Ah, c'est la citation du jour. Elle est tellement grande que. 3, elle est tronquée. 2, 1, vas-y. Faut que je lire la citation du jour, là. Enfin, celle-ci, 50, elle est beaucoup trop grande. Dans 5, 3. 50, sur crête. Dans très long, 5, gauche.
Pas mode tondeuse à gazon, non. 50, très longue, 3 droite. Dans 5, droite. Dans 4, gauche. 50, 4, droite. Dans 5, gauche. 50, long, 4, gauche. Sur crête. Attention, sur crête. Dans long, 4, droite. Attention, sur crête. Dans 4, droite. Sur crête. Là, je commence 50, même à avoir faim, gauche, donc j'ai plus coupé vers 50, midi, midi et quart que 12h45, 13h. Ce qui fera que finalement, je reprendrai peut-être plutôt à partir des 14h, on verra. 50, deux droite. Parce que là, je commence à avoir faim, malgré mon petit déj qui, certes, je connais, était léger. Droite. Je me suis croqué 4 petits biscuits avec un peu de volet, mais. Dans 4, droite. Là, j'ai une assiette bien remplie, il va me faire un bien. 50, fou. Long, 4, gauche. Bonjour les animaux sur le bas-côté. 50, 4, droite. En plus, c'est des bovins. Sur crête. Dans 4, gauche. Dans 4, droite. 50, 3, gauche. 50, 5, droite. 50, 2, droite. Dans long, 3, gauche. 150, sur crête. 150, 3, droite. Ça trace. 150, 4 gauche. 5 droite sur crête. Arrivé. Ah, voilà. Ouh. 3. Alors, où en étais-je? Vas-y! Tu peux pas situation commune, maintenant, même pas la suite de message de Whitebot. Non, il y aura pas la suite, c'est complètement tronqué, Bombastos. Non, mais je vais la virer. De toute façon, elle fait trop pavé. Je crois que j'ai programmé une citation célèbre toutes les 2 heures, un truc comme genre là. Ou tous les 500 messages dans le chat. 50, très long, 3 droite. Non, celle-là, elle est. Voilà. Les plus courtes sont les meilleures, un peu comme les vannes. Oui, bien, Dragon Sky, un cendre. Au jeu de la pêche. Fait partie de la CIA, c'est pour ça que ces infos de connexion sont toutes secrètes, ouais. Oui, ouais, je vais, à mon avis, dans une demi-heure, trois quarts d'heure maximum, je vous ferai la bascule chez Olive. Ouais, effectivement, ça me permet moi de souffler, d'apprécier mon repas et de faire le nécessaire en habillage et en branchement. Parce qu'il faut que je fasse la bascule PS2 vers PS3. Il y a quelques branchements à faire. 30 euros par mois de l'internet avec assistance de connexion en 2 heures. Wow. Oui, si on peut, ouais, se en payer une bonne tranche de bovins au bord de la route. Il va falloir rouler dessus pour, pour s'en assurer. 50, attention. Eh ben, je vais me renseigner dans mon côté, voir si des herbes existent et si elles sont plus avantageuses dans la ville. Dans on sait jamais, hein. Ouais. Et ouais. De gauche, dans 4, droite. 50, long, 4. Cinquante, quatre, droite. Mmh.
Ouais, t'as un câble coaxial. Ouais. Bon, encore que j'ai envie de dire aujourd'hui, le câble coaxial ne veut plus grandir grand chose parce que t'as des câbles coaxiaux qui peuvent être tout aussi performants que la fibre en fait. Ça dépend de beaucoup de paramètres. Ça dépend de pas mal de paramètres. Là, je vais peut-être la retirer maintenant, la coiffe. Ça va aller. Je la mets là. Ouais. Enfin bon. Arrivé. Ah oui, donc toi t'as la fibre via le câble coaxial, ok. Ouais. Continue le championnat, ouais. Tac, on continue. 10 bornes. Waouh. La plus longue. Ah non, il y avait plus long, je sais plus quel pays. 11,5 km, je crois. Waouh, c'est rare des épreuves aussi longues. Eh ben, on va bouffer du pays. On va bien découvrir la Nouvelle-Zélande là. À mon avis, l'épreuve elle va durer pas loin de 5 minutes. J'espère que je vais réussir à conserver ma concentration. Ah. Vas-y. Attention, saut. 1 droite. 50, 3 à gauche. Dans 3 droite. Et long 4 gauche. Dans 3 droite. Mince. 50, 4 gauche. 50, 3 droite. Dans 3 gauche. Sur crête. Dans long, 4 droite. 50, long, 2 gauche. 50, 4 droite. 50, long, 2 gauche. Dans 3 droite. 50, 4 gauche. Dans très long 4 droite. 50, 3 droite. Dans long 4 gauche. Dans long 4 droite serré. Sur crête. D'accord, 4 gauche. Dans long 3 droite. Effectivement, on voit du pays, hein. Les collines sont en train de défiler là. D'accord, 4 gauche. D'accord, 2 droite sur crête. J'ai mal joué de la gâchette. Pas de la gâchette. 100, 5, droite. De la manette.
trop tard. J'ai freiné trop tard. Je l'ai vu. Dès le début de mon freinage, je me dis ça y est, c'est foutu. Très long, 4 gauche. N'importe quoi. Très long, 4 droite. Serré. Je crois savoir que c'est la dernière portion. Ouais, non, mais l'étape dure 5 minutes. Ouais. Dans 4 gauche. N'importe quoi. Heureusement qu'il n'y avait pas des gens là ou des autres animaux. J'aurais fait un homicide là. J'aurais fait un massacre. Un carnage. 50, 3 droite. C'est terrible. Dans, ah, je vous en avais parlé le week-end dernier. Ça y est, c'est officiel. C'est ce week-end que démarrent les courses sur glace automobile qui en hausse. Je crois qu'ils démarrent comme la tradition veut à. J'ai oublié le nom. C'est pas grave. Bref, ça démarre ce week-end. Arrivé. Ouais, je finis deuxième. Un petit peu sous la barre des 5 minutes. 3, 2, 1, vas-y! Alors, pour les courses longues, il faudrait un LODS pour que le copilote raconte des banalités. Comme un long trajet sur la route de vacances. Ah, un mode, d'accord. Oui, enfin bon, le copilote est censé rester concentré à lire sa partition, en fait. Mais de là à dire, tiens, hier j'ai mangé deux gauches, machin. Bon, bref. Tac, tac, tac. Hein, donc, il y a des détails techniques, ouais. Ça peut se passer aussi dans le frigo, mon cher. 50, mais ça fait une éternité que j'ai pas mangé de leurs produits d'ailleurs. Pour l'anecdote. Mais je crois que c'est trop sucré leur compote. Je suis pas. Enfin, c'est pas que j'aime pas le sucre, c'est pas vrai. Mais il y a pas mal de produits où je trouve que c'est trop. C'est mal dosé. Il y a trop de sucre ou trop de sel. Je sais plus quel produit récemment. Enfin, dans le mois que j'ai consommé un produit industriel ou. Bref. C'était censé être une confiserie, un truc sucré ou une pâtisserie, je sais plus. Et je l'ai trouvé trop salé. Ça m'a. Ah non, c'est la. C'est un additif, c'est de la pâte. De la sauce tomate en tube. Concentré de tomate. Et j'ai pas aimé. Enfin, j'ai pas aimé. J'ai apprécié mon repas, mais ça m'a. Voilà, je coupe pas après. Long, 4 gauche. Oui, beaucoup trop d'additifs aussi, ouais, ouais. Ouais, ouais. Ouais, je suis bien d'accord là-dessus. Ah là 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 là. Ouais, 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 ça va être cool le coup de la PS3. Bon, moi, ce que je vous propose, en plus que là, c'était une longue étape, là, il y en a encore pour... 3000 de ralenti presque. Je finis la Nouvelle-Zélande pour aujourd'hui.
Et puis peu avant midi, je fais relais de chaîne, on va apprécier tous ensemble, enfin, du moins ceux que ça intéresse, Olive. Olive qui tue. Et je vous retrouverai à partir de 14h. Parce que là, je commence vraiment à avoir la dalle, là. J'ai les crocs. Oui, bah, bonne popote et bon appétit à toi, mon cher Romanus, Calutus, ça plus. Bonne installation de guirlande extérieure à toi cet après-midi. Et moi, ouais, je vais pas tarder à rendre l'antenne parce que, ouais, je commence vraiment à avoir faim. Puis j'ai envie de bidouiller, en fait. J'ai envie de bosser dans ma coulisse, faire sauter mon idiotie d'interdiction du slash me, là. Je vous promets que cet après-midi, vous allez pouvoir le faire. Quand j'étais... Non, attends, pardon. Quand t'es gamin... Attends, faut peut-être que je dise là, c'est plus gros, les caractères. C'est bien au goûter d'avoir un peu de sucre pour tenir dans la journée, mais c'est vrai qu'après, c'est riche. Ouais, ouais, ouais. Bonjour, Aerostar. Au moment où je dis où je vais pas tarder à couper, Aerostar qui débarque. Ouais, bonjour, j'espère que tu vas bien, mon cher Aerostar. Oh là là. Ah oui, non, je me suis crashé. Je me dis, ça, c'est la fin du ralenti ou quoi? Non, je me suis crashé. Il y a encore 1 minute 30 de ralenti. Tac, tac, tac. Oui, 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 voilà. Vous saluez entre vous. C'est bien. Oui, merci. Bonne fin de journée à toi aussi, Romanus Calutus. Merci d'être passé. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, voilà. Donc, en espérant que tu ailles bien, mon cher Aerostar. Ça va, ouais, c'est cool. Bah, moi, bonne fatigue de la semaine, là, mais je récupère, là. Cette deuxième nuit successive m'a fait beaucoup de bien. Et je suis quasiment normal. Un peu la voix, un peu enrouée, mais rien de grave. Mais c'est plus la fatigue que le temps et la saison qui veut ça. Donc Aerostar, voilà, j'étais en train de me dire, habituellement je diffuse jusqu'à 13h le dimanche matin. Mais là je vais m'arrêter à midi, pourquoi? Parce que grâce au public formidable que vous êtes, vous m'avez répondu à mes questions, vous m'avez donné votre point de vue, votre critique par rapport à la chaîne. Et du coup j'ai du boulot à faire entre midi et 2, ça va être bien. Et on va tester ce que ça donne l'après-midi. Donc du coup je rediffuserai entre 14h et 17h avant de faire relais donc à Ban Bastos sur Visage. Bonjour Kylian, bienvenue sur la chaîne, je crois savoir que tu es nouveau. Bonjour Kylian, ou alors ça fait un petit bout de temps que t'es pas venu, bienvenue à toi. Voilà, c'est la fin du ralenti, je vais passer à la suite. Et donc la très bonne nouvelle de ce matin, c'est que ça y est, j'ai trouvé la combinaison gagnante pour capter et diffuser la PS3 qu'on va essayer cet après-midi. Ça, c'est un gros point positif, la PS3. Voilà, avant-dernière épreuve de... Ah, c'est des grandes épreuves. Encore que là, c'est 7 km, mais quand on voit le tracé, on visite vraiment le pays. Hein. Punaise. Non, je ne joue pas sur émulateur. Je joue sur la véritable console. Là, c'est la PS2 ce matin. Et la grande nouveauté où je suis voilà, tout content, cet après-midi, ça va être la PS3. Et l'authentique, c'est pas du tout. Je fais pas du tout d'émulation. Je fais du vrai de vrai, ouais. Ah, j'ai mon. j'ai mon. Ma robe de chambre sur mon siège qui est en train de se barrer. On voit même un peu le carton de déménagement à l'angle. Ce que vous voyez de marron, en fait, c'est. Le bleu, c'est le papier peint, et le marron, c'est un carton de déménagement. J'ai mon décor qui est en train de se barrer. Enfin, de se barrer, non, c'est la caméra qui est mal cadrée, c'est pas grave. Ça fait un peu délabré, là. Ça m'amuse. Mais... Bon, bref. C'est anecdotique. Allez, concentration. Dans long, 3 à gauche. 50, 3 à droite. Alors. Dans 4 gauche. Et 3 à droite. Ouais, ça me fait bizarre de voir le revêtement en gris. Le grisâtre, là. J'ai envie de dire semi-goudronné, semi-gravier. 50, de droite. Alors, oui, je te dirai pendant le ralenti avec grand plaisir qu'il vienne. Long, 3 à droite. Je me permets juste de faire la publicité à Aerostar pour une cause fort noble qui est donc le Téléthon. On pense déjà en premier lieu au niveau de l'événement, de la récolte de dons avec le grand écran. Le petit écran, pardon, par la télévision. Mais évidemment, il y a aussi la grande famille des diffuseurs sur Internet via Twitch ou autre plateforme d'ailleurs, je crois savoir,
qui se réunit pour cette grande cause, et n'hésitez pas à aller voir à Aeroster ces heures-ci. Je pense ne pas me tromper en disant que tu vas diffuser cet après-midi à Aeroster, dis-moi si je me trompe dans le chat. Non, mais si je t'en prie, c'est normal, Aeroster. Noble cause pour ceux qui veulent participer, voilà. 50, très long, droit à gauche. Au niveau du Téléthon. Voilà, voilà. Sur crête. 100, 3 droite. Là, ça tire plutôt tout droit. 4 gauche. T'as pas le droit à la sortie extérieure. Intérieure non plus d'ailleurs. 4 gauche. J'ai tendance à perdre le contrôle de mon véhicule. 50, 1 droite. Vers 14h, ok, tu prendras ton antenne. Ok. 50, merci pour l'info. Pour ceux qui sont intéressés. 50, long, 2 droite. Dans long, 2 gauche. 200, 4 droite. Ah, trop vite, j'ai pas payé trop cher mon erreur. Je vais pas me plaindre, ça aurait pu être pire. 50, 4, droite. 250, très long, 4, droite. 'Arrivée. Voilà, fini pour l'avant-dernière épreuve. En plus, je vous avais même pas fait gaffe qu'il flottait comme vache qui pisse. Voilà, avant-dernière épreuve de la Nouvelle-Zélande. Alors que je lise Kylian. Kylian qui a pris le temps d'écrire. Vas-y. Tac, 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 tac. Je joue sur Emulette. Non, oui, non, c'est la question que tu m'avais posée, Kylian. Tac, tac, tac. Comment tu fais pour placer ta caméra? Car moi, je joue sur Super NES et je voudrais faire des directs Twitch. Mais je sais pas comment mettre la caméra pour seulement voir l'écran. Attends. Je sais pas comment mettre la caméra pour seulement voir l'écran. Ah, c'est-à-dire que tu veux dire que tu veux, toi, chez toi, avoir juste ton retour de ton jeu. Sans être encombré dans ton retour de signal, voir ta caméra que tu aimais pour ton public, si je te comprends bien. Alors attends, qu'est-ce que tu m'as dit par rapport à ta diffusion, Kylian? Tu joues sur Super NES, ok. Donc, j'avais posé la question, est-ce que tu fais de l'émulation ou pas? Ça posera pas de problème que tu fasses émulation ou pas sur la Super NES, ça résoudra pas ton... Ben, ça change pas le problème que tu me soumets. C'est au niveau de ton habillage de chaîne et du signal que tu envoies sur Twitch. Tu peux, au plus simple, utiliser OBS, Open Broadcasting Software, qui est gratos, qui est libre. Hein. Tu vas sur OBS, tu tapes OBS dans le navigateur internet, c'est le premier truc que tu trouves. Tu télécharges, c'est gratos, et puis tu apprends à composer ta scène et à diffuser. Ensuite, si tu prends une machine à gaz qui est redoutée, qui est Streamlabs comme je fais aujourd'hui, t'as le droit à des gadgets supplémentaires, mais le problème de Streamlabs, c'est que c'est hyper... Enfin, c'est une version modifiée d'OBS déjà, et c'est un logiciel très capricieux et boulimique de ressources. Donc là, au moment où je diffuse, figure-toi que j'ai viré sur mon ordi le navigateur internet, donc je vois pas mon retour. J'ai viré Discord, je prends la tablette pour pouvoir voir ce que ma communauté me cède en direct comme message discret. Tu as que ton téléphone pour te filmer toi. Il y a des solutions qui existent. Alors téléphone, c'est pas mon fort en informatique, j'aime pas le téléphone. Donc pour te filmer toi, capter depuis ton téléphone pour coupler à ton... C'est une solution vachement technique que tu me soumets là, Kylian. Je serais pas le mieux placé pour t'aider. Parce que l'idée, c'est que tu captes le signal... Je vois ce que tu veux dire. Tu dois capter le signal quand tu es filmé par téléphone
pour envoyer en direct couplé à ton signal de console, qu'il soit émulé ou non, c'est une combinaison pas facile. C'est faisable, hein. Techniquement c'est réalisable. J'ai déjà entendu parler de Solus à ce niveau-là, mais je connais pas la combinaison gagnante. Donc c'est pas moi qui pourrais malheureusement me donner toutes les pièces du puzzle, si tu veux. Au pire, si ça peut t'aider, Kylian. Alors, et bien évidemment, libre à toi d'accepter ou pas. Mais j'ai une branche d'épanage informatique, comme je suis technicien informatique de profession, dans mon Discord, ou même tu le mets dans le général. Si tu veux soumettre ton problème à ma petite communauté naissante, hein, on n'est pas beaucoup, on est à peine une petite dizaine. Mais si quelqu'un veut posément te répondre à ton problème technique, je suis en pleine confiance avec ma communauté qui est absolument formidable. Avec un peu de chance, il y a quelqu'un qui va te donner des pistes en disant tiens, regarde le lien là, machin, truc mûche. Voilà, il y a Bambasto, soit déjà spontanément, qui te répond dans le chat. Donc, voilà, si tu peux trouver réponse à ta question. Oui, et donc Aeroster qui disait pour le Téléthon, Aeroster cet après-midi va faire en gros 14h-18h30, sachant que il est rattaché à un groupe, c'est pas le bon terme. Il est avec plusieurs diffuseurs qui, eux, vont aller jusqu'à carrément minuit. Voilà, voilà. Oui, c'est bien, c'est cool. Oui, je vais continuer. Il faudrait que je papote pendant les écrans de chargement. Encore une longue étape de 10 km. Donc c'est pas plus mal, voilà. Après on ira voir Olive qui tue vers 12h05, je pense. Le temps que, oui, en plus il y aura le ralenti derrière. Ça va me permettre d'échanger encore un peu avec vous avant de couper le signal pour reprendre dans l'après-midi. Non, mais je t'en prie, Kylian. Si ça peut dépanner. Mais c'est une expérience, vraiment c'est une expérience formidable à vivre, Twitch. Bon là, j'ai envie de dire, j'ai que les avantages parce que je suis naissant. Voilà, on est entre bons copains, on se connaît entre guillemets, on se connaît pas dans la vraie vie, ça fait toute la différence. Mais bon, bref, ça n'empêche pas de partager des valeurs communes et de bien s'entendre. Et là, je suis embryonnaire, donc généralement, au début, ça se passe fort bien. Après, on verra ce que l'avenir me réserve. Voilà, c'est comme tout à chacun. Mais vraiment, moi, c'est une grande soupape de décompression que d'avoir Twitch. J'adore cet outil. Grand plaisir de vous faire partager mes plaisirs, mes aventures, mes joies sur le jeu vidéo que j'aime beaucoup en loisir pour la détente. Et la technique magnifique qui me permet d'échanger avec vous cette interaction. J'en raffole. J'ai grand plaisir à converser avec vous. C'est très bien. Moi, j'encourage à fond de tenter l'expérience Twitch. Je trouve ça vraiment génial. Dans 3 droite et 2 gauche sur crête. Pas que tu colères, j'ai failli me laisser partir. Ouais, c'est ça, c'est très long, très long. C'est ça. Là, j'ai 10 bornes à faire. Donc, si je commence à me taper le premier arbre au bord de la route, je suis pas arrivé. 50, très long, 4, droite, serré. Ah, c'est marrant le filet protecteur à gauche là qui est en. À droite, pardon. Qui est en. Bah, maintenant des deux côtés en orange. C'est généralement le filet de travaux qu'on déploie du côté des carrières ou dans les zones champêtres. C'est rigolo. Oula! Oui, qui est là? Tequila. Oulala, tequila. Oui, qui est là? Oula. Oui, merci Kylian, j'ai vu d'un coup d'œil que tu viens de faire acte de fidélité à la chaîne, ce qu'on appelle le follower. Merci à toi, donc je te renouvelle ma bienvenue. Et j'ai pas pensé à, alors que j'avais dit la semaine dernière, de mon alerte
nouveau fidèle qui est beaucoup trop longue et qui est mal placée. Merci tout plein pour cet acte de fidélité à la chaîne. Ça fait chaud au cœur. Bienvenue. Je suis obligé de faire pause parce que comme j'ai mon signal tel que je vous le diffuse, bah j'ai le gros cœur au milieu de la piste, donc ça va pas. Merde. Là, il faut vraiment que je cogite, que je fasse des trucs plus modestes. Oh là là, non, parce que là, c'est pas grave. C'est rigolo. En plus, oui, Dragon Sky, quand tu balances le son tequila, c'est difficile de se concentrer sur un jeu de rallye quand t'entends ta propre voix, quoi. Surtout sur un truc comique. Donc, waouh, tout en même temps, c'est du sport. On peut le dire, c'est du sport. Mais c'est très bien, c'est fait court. Sur crête, 50, long, de gauche. Alors vous avez eu respectivement l'alerte Westbot suivi de l'alerte Streamlabs pour la fidélisation. Elle est double du coup. J'ai activé les deux pour comparer en fait pour voir. Puisque je me déclare, pour ceux qui ne le savent pas encore, je me déclare en phase bêta de ma chaîne. Je teste encore plein de trucs avant au 1er janvier d'avoir un truc, d'avoir une formule quasiment fixe. C'est pas le bon terme. J'aurai fini une grosse œuvre, voilà. Évidemment, ça va évoluer au fur et à mesure qu'il y aura les outils comme Westbrook qui vont se développer et proposer une nouvelle fonctionnalité. Je les implémenterai le cas échéant, semaine après semaine. Mais j'aimerais vraiment au 1er janvier avoir fait le plus lourd de la conception de la chaîne. C'est pour ça, bien évidemment, je vous sollicite et que je reste très ouvert à vos critiques. Pour voir qu'est-ce qui vous plaît, vous, dans l'ensemble, qu'on soit tranquille ou pépère à se retrouver tous les week-ends prochainement et que chacun y trouve son compte, le plaisir de passer des bons moments ensemble. 55, droite. Il faut que j'arrête d'être en mode labourage de bord de piste. Là, c'était même plus tondeuse à gazon. Oui, elle est endurante cette épreuve. 54, droite. Je crois que c'est la dernière portion que j'aborde. L'arrivée est proche, normalement, je l'espère. 55, gauche, sur crête. Pardon, voilà, j'ai mis des remontées au bout du vide. Je vois que quick, il n'y a aucune visibilité dans ce virage. 54, gauche. Allez. 50, de gauche. La fin de la Nouvelle-Zélande. C'est beau, hein. Donc, plus vieux. Mais c'est beau. 50, long, de droite, sur crête, arrivé. Oui. Oui, voilà, quasiment 5 minutes. 10 bornes en général, c'est égal 5 minutes de tracé. Fin d'épreuve. Voilà, je vais pouvoir vous lire, peinard. 3, 2, 1. Vas-y! La remarque de réponse de Bambastos à Kylian m'intrigue. Tu peux aussi. Nous avons une personne qui fait ça aussi. Il faudra juste gérer ton Twitch depuis l'application sur téléphone. Car t'as pas de contrôle sur PS4. D'accord, ok. Oui, parfois vous êtes coincé aux interfaces vis-à-vis de l'appareil que vous utilisez et depuis lequel vous diffusez. Ouais, c'est vrai. Alors, du coup, je crois que c'est la PlayStation. Aerostar, justement, on fait usage sur ses directs. Il y a un gadget qui est très sollicité, que j'ai voulu moi me mettre et que j'y arrive pas sur PC. C'est le compteur à chaud des messages dans le chat. C'est un truc, j'adorerais avoir un compteur en affichage digital comme l'horloge, qui c'est gadget, hein, c'est bidon. Mais moi, ça me plaît, ça me fait marrer. Et compteur de messages, il n'y a pas sur PC. J'ai regardé à droite à gauche pendant des heures et c'est une exclusivité de la PlayStation pour le moment. J'ai bon espoir que Wisebot le propose dans le futur. T'inquiète, je regarderai la révision de mon téléphone, je regarderai les commentaires et le live, machin, tatatatatatata. Ouais.
c'est beau mais c'est loin. Oui, c'est la phrase de Jacques Chirac, ça. C'est ça, c'est la phrase de Jacques Chirac. Ce que fait Fun Fan, oui, ou demander conseil, ouais, à Fun Fan par rapport à cette. Oh, il était si mince, oh, il était si beau, il sentait bon la noix de coco. Je sentais bon la noix de coco. Oh là là. Voilà, c'est le seul extrait que vous pouvez déclencher avec la voix de Fun Fan avec son autorisation sur ma chaîne. Où il jouait à Tropico 5. Et l'extrait là, je l'adore. Je m'en lasse pas, le coup de la noix de coco. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir lier mon compte Twitch à ma PS4. Et je mettrai sur le côté les commentaires et les gens qui sont sur mon direct, car j'ai déjà fait ce que j'ai déjà fait sur l'ancien téléphone. Ouais, c'est bien. C'est bien, c'est bien. 50, épingle droite. Alors, comme je m'engage aujourd'hui, là, dans quelques minutes, à faire un relais de chaîne à Olive qui tue, et tout à l'heure, vers 17h, à Bombastos pour la suite de Visage, le jeu d'horreur, je vais pas faire la pub de ces chaînes-là textuellement, mais exceptionnellement, je vais faire la pub pour Aerostar, comme je l'ai déjà expliqué, il participe au Téléthon, et il a sa propre chaîne, il va diffuser tout à l'heure à 14h. Voilà, pour le descriptif et le lien de sa chaîne, Aerostar, n'hésitez pas. Très agréable, très professionnel ce que fait Aerostar. Voilà, pour ceux que ça intéresse. Voilà, régulièrement, chacun d'entre vous, dès que j'apprends que vous diffusez et que j'ai eu plaisir à regarder, à me faire une idée de votre direct, que je puisse avoir des éléments de présentation, on va dire, moi j'aime bien vous mettre en lumière tout à chacun, et par roulement je prendrai le temps 1, 2, 3 chaînes par mes directs en fonction de ma longueur et de ce qui se passe. J'aurai plaisir à faire votre petite pub spontanément. Wally voilou. Puis c'est toujours agréable de s'entraider entre petits diffuseurs. Ah là là là. Donc la suite du programme, on va basculer chez Olive Kitu, qui fait un jeu que je connais pas du tout. Le nom m'est passé en alerte tout à l'heure. J'ai pas mémorisé, donc ça va être la surprise. On va aller voir Olive Kitu d'ici même pas 5 minutes. Moi je vais me restaurer. Et je vais procéder à un petit montage, faire sauter l'interdiction de la commande slash me là pour que vous puissiez vous exprimer en italique dans le chat, entre autres choses. Je vais faire le branchement pour la PS3 et je reprendrai l'antenne à partir de 14h jusqu'à 17h. Et je vous accueillerai donc tout à l'heure sous l'excellente expérience contemplative. Proteus qui a des sons légers, pas forts. J'ai peur d'avoir une captation de son de la PS3 comme je l'ai pas calibré qui vous pète aux oreilles, donc autant que je prenne un truc qui est léger, posé, histoire de pas vous crever les tympans. Je suis pas là pour ça. Mince, quel nigo, j'aurais dû sauvegarder ma progression, je l'ai pas faite. Attends, annuler, je peux rembobiner, c'est bien fait, je peux rembobiner. Je suis rassuré. Merci la souplesse de la PS et de WRC. Hein. Ah bon, j'ai failli dire bonsoir. Bonjour Fun Fan, pardon. T'arrives au moment où je vais faire relais de chaîne. J'espère que tu vas bien. Oui, par curiosité, on va voir quel pays je ferai la prochaine fois. Quand je referai du WRC1, on va s'amuser juste à regarder la présentation du pays suivant. C'est bien, c'est cool, tu vas bien, Fun, ça fait plaisir à lire. San Remo, c'est avec où ça? Ah, c'est la province, la principauté là. Du rallye de San Remo. Il réunit beaucoup d'éléments qui font la réussite d'un rallye.
des routes fabuleuses, des foules hyper enthousiastes et un paysage sublime. La course se déroule sur la station balnéaire de la Riviera, puis dans les montagnes et retour au point de départ. Les épreuves sont sur asphalte, mais le mauvais temps peut le laisser couvert d'une couche de terre, de feuilles et de gravier. La finale approchant, personne ne peut se permettre de sous-estimer San Remo. Ouais, en fait, c'est des tracés, une configuration à la Corse. Or, le rallye de Corse, j'en ai les pétoches. Parce qu'on n'a pas le droit de déborder à des écarts, etc. Et c'est des épreuves qui me stressent, en fait. Où je suis contre-performant. Alors, je vais rebasculer en espérant que Streamlabs ne plante pas en gros plan. Voilà, pour vous saluer. Vous voyez d'ailleurs en bas les indicateurs gadgets dont je parlais, là, les petits compteurs dont je raffole, qui m'amusent. Ah oui, tiens, on avait dit que je faisais sauter mon nom à chaque fois. Parce que ça fait débile que je m'annonce avec mon nom, ça fait m'as-tu vu. Voilà, comme ça, on le verra plus. On est d'accord là-dessus. Voilà, je préparais le raid vers Olive qui tue. Alors, minute papillon, pardon. Hop, je saisis le clac. Voilà, ça va pas tarder. Merci à tous d'avoir été là. Cette matinée très agréable en votre compagnie. Prenez soin de vous, bon dimanche. Voilà, restaurez-vous, bon appétit. N'oubliez pas de boire de la flotte régulièrement aussi. Que dire d'autre? Moi, je vous retrouve en début d'après-midi. Voilà, libre à chacun, évidemment, si retournez à vos occupations. Prenez soin de vous. Voilà, c'est mon état d'esprit. Parce que c'était cool. Merci. Bon direct à toi tout à l'heure et Roster. C'est cool, c'est cool. Oui, bon dimanche, vos applaudissements. Il y a un peu de ça, une scène. Ouais, je suis un peu un final à la Jacques Martin. Ouais, à tout à l'heure, Bombastos. Merci. Oui, oui, grand plaisir. Bonne app, ouais. Ah là 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 là. Eh ouais. Alors, je pense que je vais avoir le mot ouais, quand le relais de chaîne va se faire. D'ailleurs, il va falloir, après que j'ouvre mon navigateur, Olive va me saluer théoriquement. Et je vais pas l'entendre. Il va falloir me laisser 2 minutes avant que je capte son signal. Et là, je lui dirai coucou, je t'entends, je te vois enfin. Enfin bon, elle finit par s'habituer. C'est pas la première fois que je lui fais un relais. Et elle sait que je dois faire une transition avant de capter la chaîne chez qui je fais relais. Sans quoi mon Streamlabs plante. Et ça le fait pas. Merci tout plein. Voilà. Je crois que j'ai 1 minute entre le moment où je valide le relais et le fait qu'il se fasse. Il faut que je mémorise, que j'anticipe bien histoire de ne pas faire un peu de trop longuet. Voilà, là c'est fait. Donc je vais pouvoir couper. Non, pas comme ça. Hop, arrêter le stream.